Bonjour Polo. Comment ça va Polo? Oui, y a pas l'image, je sais, mais j'ai un truc à vous montrer. Exceptionnel. Comment vous dire? Exceptionnel. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que tu es prêt mon Polo? Parce que moi je le suis pas du tout en fait. Je suis pas prêt une seule putain de seconde. Ah. Attends, je prends la musique. Voilà. Alors Yann ! Non, on va pas jouer à une merde, mais c'est juste... Tu vas voir. Théma, comment c'est beau !
Je suis contente. Ah là là, ça va les coupings. Coucou Lauriane. Lauriane qui vient de faire des bisous alors qu'on était sur Discord littéralement 2 minutes avant. Coucou Zarfex. Comment ça va? Comment vous allez les coupings? J'ai mis des putains de néons. T'as vu ça? Non mais attends, il y a plein de trucs. C'est-à-dire que là on a un Rayman, là on a la carte de poupette, là on a Mario et un cube, là on a Picamoche. Parce que... Pourquoi la lumière... Oh, attendez, c'est moi ou la... La lumière a changé quand je me suis décalée? Non, c'est juste une impression, très bien. C'est un effet de luminosité, très bien. C'est la caméra qui zoome pas pareil. Donc Picamoche, là on a notre atmosphère, parce qu'il faut pas déconner, vous avez pas la ref, mais c'est pas grave. Apo, si tu passes par là, je t'aime. Là, il y a un petit Rubik's Cube, mais vous le voyez mal. Il y a une feuille d'Animal Crossing. Il y a un Kirby. Il y a ma meilleure amie. Et il y a de la merde en dessous. Ouais, c'est le focus, on est d'accord. Hein. Et bien sûr, là, il y a Pouy. Regardez-moi comme il est beau, ce Pouy, là. Il est fantastique, ce Pouy. Ah là là. Et oui, du coup, je vais avoir des réglages à faire à la caméra pour que ça arrête de focus sur mon décor. Et que ça focus sur ma sale gueule. Voilà! Je suis trop contente! Le glow-up exceptionnel. Franchement. J'arrive, ça parle de merde. Je savais pas qu'il y avait des scatophiles. Mais comment ça, on parle de merde? On n'a pas parlé de merde. Bastien! Bastien, comment ça va? Regarde comment c'est beau! J'adore! J'adore! Par contre, ouais, la couleur, on dirait qu'elle change. C'est terrifiant. Alors que pas du tout. C'est fou. C'est absolument fou. Est-ce que je peux pas faire en sorte que ma caméra, elle fasse pas des... Si, probablement. Voyons voir. Propriété de la caméra. Pipapoup. T'as vu, c'est de toute beauté. Oh, de toute beauté. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Voilà. J'ai rentabilisé ces 30 euros de LED le plus rapidement de ma vie. Je suis trop heureuse. Vraiment. Ça donne du cachet. J'aime trop. Voilà. La prochaine chose dans laquelle j'investis, c'est un putain de store pour le Velux. Parce que bon, j'ai dû l'installer 10 minutes à peu près, non 15 minutes, avant de démarrer le live. Parce que sinon, il y avait trop de luminosité dans la pièce, et ça, je voyais pas comment ça rendait. C'était compliqué. Voilà. Sinon, ça va, vous. Tac, 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 contrôle de la caméra. J'ai pas moyen de dire je veux pas qu'elle mise au point. Mise au point automatique. Non, appliqué. C'est beau. Chiche la luminosité, mais tout à fait, hein. Mais oui, vous avez vu, c'est trop beau! Je suis trop heureuse, merde! Oui, j'ai vu ton message Discord d'hier. J'ai vu. Mais avoue, Bastien. T'as peut-être pas poncé ce Mario Kart. Mais t'as poncé ceux des générations précédentes. C'est sûr. Pour avoir un level comme ça, c'est sûr. Ou alors c'est que je suis une giga merde, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. On le vit bien, je veux dire, être une giga merde, c'est quoi? C'est rien. Ah putain. Ah je vous jure, j'aime trop. Excusez-moi, hein. Je suis encore un petit peu en train de découvrir à quel point ça rend bien. Je suis choquée. Voilà. Bah non, le seul Mario auquel j'ai joué, c'est Mario Kart DS. Bah c'est déjà pas mal. Poupi, 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 pou. Elle fait comme son modo, elle répond jamais. Ben, j'étais censé répondre quoi à ce message? À part un « vu ». Ça aurait été grossier de ma part. On répond pas des vues, on lâche pas des vues comme ça. Et c'est pas parce que je réponds pas que je vois pas, hein. Je vous vois tous. Attention, hein. Je vous vois. Calmez-vous. Calmez-vous bien, hein. Ah là là. Sinon ça va, vous avez passé une bonne journée, les coupings? Dites-moi, racontez-moi votre journée. Racontez-moi à quel point vous avez rien foutu de votre vie. C'est le pire de lâcher des vues. Bah ouais, mais... Moi, vous êtes au courant. J'ai jamais eu de vues avec elle. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Si, une fois, parce que je pouvais pas écouter ton message. Voilà. Je pouvais pas écouter ton vocal, donc j'ai vu qu'il y avait le vocal. Et ben, je l'avais pas écouté. Mais je l'ai écouté après, j'ai répondu. Mais voilà. Non, par contre, c'est fou. Ça change vraiment de couleur là derrière, hein. Je suis pas folle, hein. Faudra que je comprenne pourquoi la caméra des fois elle veut bien et des fois elle veut pas. Je vais avoir des réglages à faire. C'est différent, vous gueulez par message vocal donc normal. Lauriane, il y a Polo, il dit on gueule par message vocal. Je vois pas ce qu'il lui fait dire ça. Voilà. Voilà. Ah merde. Excusez-moi. C'était drôle. Enfin bref. Du coup, ce setup, là, ce setup, est presque fini. J'espère que vous êtes fiers de moi, parce que je suis extrêmement fière de moi. Voilà, je me la pète, laissez-moi 2 minutes, je me la pète. Je suis extrêmement fière. Il nous manque deux, trois trucs. Mais je suis extrêmement fière. Attendez, elle a répondu. Donnez-moi une seconde, je vous mets du son. Oh putain, oh, je vais vous éclater les tympans, hein, désolé. Non mais je te jure, hein, c'est vraiment un trou de balle de dire qu'on crie comme ça. Non mais c'est fou, hein. On est des grosses débiles. Coucou Jean, comment ça va? Ah là là, désolé du retard, je vais me doucher, ça bug, y a pas de soucis. Élise, Lauriane, criez! Elles ne font jamais ça, NTR! Bah non, jamais. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ferait ça? Ça abîme la voix, faut pas faire ça. Faut pas crier les enfants, hein. C'est pas bon pour vos cordes vocales. On n'en peut plus vous? Il te manque un mot, Bastien. Il te manque un mot. Putain, il y a Horty sur Portal 2. Comment ça? Attendez. Donnez-moi une seconde, j'envoie un message. Hop. J'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive, hein. Touk. Touk, touk, touk. Hop là. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai un message. Vous êtes prêts? T'as traité d'abruti! Ouh, j'aurais pas aimé! Oh, ça m'aurait pas plu, je me serais battue. Là là! Quel jeu? Ce soir, tu veux dire? Ce soir, on découvre Planète Zoo. Voilà. Parce que ça fait très longtemps que j'ai envie d'y jouer. Et là, il s'avère qu'il était en promotion, genre pour vraiment pas cher. Donc je l'ai pris. Voilà. Hashtag Polo VIP. T'as carrément fait une annonce pour dire hashtag Polo VIP? Vatian, putain. Par contre, je suis déçue, les annonces, elles se voient pas dans le... Là. Je suis triste un peu. Mes potes ont parlé à mes crushs, ils auraient pu m'attendre. Bah quand même. Ils me déçoivent. Ouais. C'est des connards, hein. Je suis colère, colère, hein. Oh là là! Arrêtez de dire plus qu'un follow, j'ai peur. Zoom, mais quel jeu de merde! Ta gueule, Polo! Eh, si vous êtes pas d'accord, cassez-vous, hein. Je vais pas vous retenir, les potes. Hein. Voilà, hein. Je vous aime, mais moi j'ai envie de jouer à Planet Zoo. Parce que je suis une enfant. Plus qu'un follow. Un follow! J'ai peur. J'ai peur, mais en même temps, j'ai un peu moins peur maintenant que j'ai des jolies lumières. Parce qu'en vrai, il fait vachement moins sombre dans mon setup. Du coup, je le vis mieux, tu vois. Je... Voilà, je le vis mieux. Je suis plus en confiance. Ah là là. C'est terrible. Anesti, elle est pas simplement sur Portal 2, elle est sur Portal 2 coop! Exceptionnel! Elle est en coop avec qui? Ça, c'est la grande question.
grande question. Immense question, énorme question. Putain, j'ai un frisson de merde là qui arrive. Ah, terrible. J'ai eu 0 en français et 2.5 en maths comme je l'avais prédit. Attends, mais Jean, mais comment t'as fait? Comment t'as pu avoir 0 en français? C'est fou ça. 2,5 en maths, je peux comprendre, parce que si tu piges rien aux maths, c'est cohérent. Mais en français, c'est compliqué. T'imagines Portal 2 en coop, toi et moi? Ce serait terrible. Ce serait terrible, mais en même temps, ce serait beaucoup trop simple parce que je connais les énigmes à peu près par cœur, parce que je l'ai poncé avec Fred. Voilà. Donc bon, c'est compliqué. ce serait compliqué. Mais t'inquiète, Lauriane, on va se trouver un jeu coop, toi et moi, et on va faire des trucs cool. Voilà, genre Unravel ou je sais pas quoi. Mais je crois qu'Unravel, il est pas en... Il est que en split screen. Et c'est chiant. J'ai passé une journée de merde aujourd'hui, donc j'ai pas envie de parler. Mais y'a pas de soucis. Pas de soucis, Zarfex. Et je vais bientôt manger, pas de soucis. C'est sur l'imparfait et tout, et je suis nulle, ça, j'y comprends R. Bah, l'imparfait, c'est juste du passé. Mais tu mets AIS ou AIT à la fin, grosso merdo. Voilà, hein. Y'a pas de soucis, mais Bastien. Allez chez Horty si vous voulez aller chez Horty. Y'a pas de soucis, les gars. Vous savez, moi je suis pas là pour faire du nombre de viewers. Hein. Moi je suis là pour vous passer un bon moment. Si le jeu vous plaît pas et que vous passez pas un bon moment, restez pas, les gars. Y'a pas de soucis. Hein. Mon prof de physique chimie m'a mis la honte devant tout le monde car j'ai R compris aux exos. Non, mais c'est un connard ça. Faut pas faire ça. Hein. Y'a des matchs de CSGO. Les matchs de CSGO, je connais pas du tout. Enfin, je connais CSGO, de nom, parce que j'y ai jamais joué, évidemment. Mais c'est un tournoi ou une connerie du genre? Un truc comme ça, non? Je pense. Je pense. Bim, boum. Bien. Il y a les ESL Pro League, je connais pas. Désolée, je ne connais pas. Il y a autant de personnes sur ton live et chez Fred. Mais trop bien! Putain, Fred qui a autant de monde, c'est fou. J'ai mis des paillettes sur mon stream. Terrible! Lauriane qui a des paillettes partout. D'ailleurs, point paillettes, j'en ai encore sur mon bureau. J'ai passé l'après-midi à aspirer. Il y en a encore. T'aurais pas pu jouer à Slime Rancher 2 à la place. Donne-moi l'argent pour l'acheter, on en reparle. Mais t'inquiète, il va venir. Malheureusement, pas ce mois-ci parce que j'ai pas l'argent. Mais le mois prochain, je l'achète. Voilà, parce que Slime Rancher, faut pas déconner, quoi. J'ai raté mes contrôles français, elle nous met deux contrôles... Attends, quoi? Aussi, elle nous met deux contrôles d'anglais en une seule journée. Elle casse la tête. Deux contrôles d'anglais en une journée? Pourquoi? Et j'ai eu une note récemment, j'ai eu 5,35 sur 7, trop le seum. Mais attends, mais 5,35 sur 7, c'est trop bien! Vraiment, c'est trop bien! Ça fait quoi? Ça fait un 16 sur 20 à peu près! Pas déconner, hein! Ton décor, elle est toute bourrée! T'as vu comme il est chouette, mon décor! Regardez, il y a Rayman! Voilà, sachez que ce personnage-là, c'est mon personnage préféré des jeux vidéo de tous les temps. Voilà, je suis... Ah. Je te vole ton décor. Non! Jamais! Jamais! Laissez mon décor tranquille. Il est beau, mon décor. Ok? Personne ne me vole mon décor. Jamais! Comment ça, il manque une chose dans mon décor? Oui, je sais qu'il manque un truc dans mon décor, mais je l'ai pas, Bastien. Si on pense à la même chose, je ne l'ai pas. Et il faut que je trouve quelqu'un qui pourrait me le faire. Moi, je mange ton décor. Alors, ça va être compliqué. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de comestible. Limite, tu pourrais manger le ficus, mais c'est pas très comestible, le ficus. Je crois même que c'est toxique, donc on va éviter. Il est BG, Rayman. Ouais. Il est BG. Là, là, là. On a pensé à la même chose. C'est un truc qui va dans l'espace, on est d'accord, hein.
C'est un truc quand t'es dedans, ça fait space. On est d'accord. Ah, on est d'accord, on est d'accord. Oh merde, personne n'aura la rêve de ce truc. Mais il faut que je trouve quelqu'un pour me le faire. Voilà, quelqu'un qui a une imprimante 3D et qui serait capable de faire ce genre de choses. Non, parce que vraiment, imagine, il serait accroché là au mur sous Puy. Enfin, un peu plus loin que Puy, genre là. Tu vois ? Ce serait pas exceptionnel, ça ? Franchement. Et la personne ne sait de quoi on parle. À part les vieux de la vieille. Mais y a pas de vieux de la vieille à part toi, Bastion. Donc c'est compliqué. Oh, ce serait exceptionnel. C'est vrai qu'il manque, hein. Il manque. En fait, il nous faudrait plus de refs à des jeux qu'on a déjà fait. Mais bon, j'ai pas les thunes, quoi. J'ai pas trop les thunasses. Il nous faudrait un truc pour représenter Zelda. En fait. Je crois qu'il y a que toi et moi qui savons de quoi on parle. Ouais, je pense. Je pense, Bastion, c'est fort probable. Viens, on le met, mais on explique à personne. Ah, mais t'inquiète, il y sera. Ce sera pas expliqué. Franchement, énorme flemme d'expliquer ça. Mais ouais. Hein. Mais en vrai, les enfants, il faut que vous me disiez quels sont les jeux qu'on a fait sur la chaîne qui vous plaisent bien. Et comme ça, j'essaierai de trouver des trucs à caler dans le décor qui représentent ces jeux. J'ai un marteau de Thor qui fait pouic pouic. Comment ça, il fait pouic pouic? Oh, je vous ai dit que personnellement, j'avais un petit cochon jouet pour chien. Quand t'appuies dessus, il fait gruic gruic. Il est trop mimes. Voilà, je... Regarde les clips en vrai. Mais je les ai vus, les clips. Je les ai regardés, les derniers clips que t'as fait. Stranded Deep, j'aime bien Zelda. Stranded Deep, on l'a pas encore fait assez. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Ça viendra. Ça viendra. Hop. Look. Attends, quoi ? Je suis la seule à faire des dessins pour que la prof d'art plat y accroche sur la porte de la salle. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Nous, on avait des dessins. Mais ils étaient pas sur la porte de la salle d'air plastique, ils étaient sur la porte de la salle de musique. Mais voilà, c'est parce que le prof nous aimait bien. Voilà. Si jamais mon prof de musique passe par ici, bien que ça m'étonnerait, parce qu'il était quand même assez âgé. Merci monsieur de nous avoir appris l'histoire de la musique. C'était beau. Oh là là. Moi j'aime bien Outlast. Non, Jean. Tu n'aimes pas Outlast. Viens, on met un biorecteur et par-dessus un manchounet. Alors, ça prend de la place, un bioréacteur. Faut pas déconner. Ah là là. Bah, en vrai, bizarrement, j'ai envie d'y jouer à Outlast. Non, c'est de la triche. Non, je veux pas. Non ! Bonjour Lek, bienvenue, merci pour le follow. Non, je vous déteste. Pourquoi j'ai mis ça ? Pourquoi j'ai... Attends, Dentil. Comment ça Dentil ? De... Thomas ! Thomas, qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi tu refollow? Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais! Non, je veux pas y jouer. Je vous le dis, j'ai pas envie d'y jouer en fait, j'ai peur. J'ai perdu l'autre compte. Ah merde! Et du coup, est-ce que Lex est quelqu'un qu'on connaît ou pas? Vraie question. Ou est-ce que c'est quelqu'un du pif qui débarque n'importe comment? Dans ce cas-là, merci, hein, mais voilà. Je peux unfollow pour pas que tu joues et me dire... Non, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que Dentil a refollow une deuxième fois, donc dans tous les cas, on a passé les 400. Excusez-moi, j'ai un message à envoyer, du coup. Sachez qu'on n'y jouera pas ce soir parce que j'ai pas encore téléchargé le jeu. Mais... on y jouera jeudi. J'ai envie de mourir.
Je vais manger aussi la bise. Y a pas de soucis. Bon appétit, les enfants. J'ai fait quoi comme bêtise? Bah, à cause de toi et de Lek, on a passé les 401. Enfin, les 400 là. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de jouer à Outlast. J'ai vu sur la story de Pouy. Oh, c'est vrai! Oh, tu viens de chez Pouy! Oh, mais trop bien, mais bienvenue, installe-toi. Regarde, il est là, là. Là, c'est Pouy. Je sais que la qualité est dégueulasse, mais là, c'est Pouy. Voilà. Ben oui, mais il va falloir que je joue à Outlast. Mais d'abord, il faut que j'envoie un petit message à notre cher Cory National, parce que c'est un peu à cause de lui que j'y joue. Hep. Hep. J'arrive. Donnez-moi une seconde, je lui mets envie de mourir. Trois petits points. Hep. Il est où le Cory National? Il est là le Cory National. Berm. Et c'est quand les Dark Souls? Bah quand tu me les auras offerts. Tout simplement. Parce qu'ils coûtent cher. Et que j'ai absolument pas les thunes en ce moment. En plus, il y a d'autres jeux qui sortent qui ont l'air vachement bien, donc ça peut t'attendre. Voilà. Oh non, mais par contre. Oh, vraiment, vous faites chier. Oh, j'ai pas envie. Oh, j'ai tellement pas envie d'y jouer. J'ai vu Discord. J'ai pas envie. Ah, attendez, j'ai Cory qui m'a répondu. Cet enfoiré, il m'a juste écrit PTDR, oh oui, enfin. Attendez, ça zoome pas. Ah bah non, hé, je suis con, il y a plus de focus. Attendez. Évidemment, il y a plus de focus, mais bref, il a mis PTDR, oh oui, enfin. J'ai envie de mourir. Je sais pas. Oh putain! Ah là là, t'as envie de jouer à Outlast? Pas du tout. Pas du tout. Ah, je vais être paniqué, les gars. Sinon, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien, Théma, j'ai un décor. J'ai un ficus. Voilà. Parce que Lek, tu peux pas le savoir vu que c'est la première fois que tu viens ici. Mais jusqu'à très récemment, j'avais pas de décor. Là, la jolie lumière violette que tu vois, elle date de aujourd'hui, là, il y a une demi-heure. Comment ruiner un stream? Non mais. Je suis dans un état. Comment te dire? Ça fait des semaines, qu'à chaque fois que j'ai des followers qui arrivent, je passe un coup de wise bot pour virer les bots et pour faire redescendre cette barre. Mais là, là, j'ai plus le choix. Oh putain! T'inquiète, apparemment, ça fait pas peur. Jean, comment ça? Pas du tout. Est-ce que tu y as déjà joué, Jean? Là là. Cet enfoiré! Il me fait péter des airs, t'as plus le choix de toute façon! Oh putain! J'ai envie de mourir! Ah! C'est fou, à chaque fois tu me fais penser à mon frère petit. C'est parce que j'ai les cheveux courts, c'est pour ça. Ah oui, d'ailleurs, Thomas, t'es pas revenu depuis que j'ai plus de cheveux. Parce que Théma, y a plus rien en fait. J'ai juste un vieil épi dégueu. Attendez, là on le voit bien. Juste un petit épi un peu dégueu là. On peut mettre le trailer du jeu ou pas pour voir. Est-ce que je vais arriver à le faire charger? Sans les couches en jouant. Oh putain, mais. Ouais, en vrai, ouais, il va falloir, hein. C'est. Oh putain. Comment ça se fait que j'ai plus de cheveux que toi? Bah, parce que je me suis rasé la tête. Voilà. Je voulais revenir à ma couleur naturelle, donc je me suis rasé la tête. Ce qui n'était pas forcément la meilleure idée. Parce que j'avoue, je regrette un peu mes cheveux longs, mais bon. Voilà. J'aime te voir souffrir, mais c'est pas gentil!
Comment ça, t'as mis des paillettes dans mes vies? Ah oui, il faut savoir que Lauriane a foutu littéralement des paillettes dans ma vie, j'en ai encore plein mon bureau, c'est un enfer. Ah putain. Donnez-moi une seconde, hein. Parce que je suis en train de discuter avec l'adorable connard qui m'a dit mais si tu vas jouer à Outlast, donc voilà. Hop. Hop. Voilà. Va voir Insta. Ah d'accord. De toute façon, ça allait arriver à un moment ou un autre. Ouais, mais j'espérais que ce serait le plus tard possible. Tu vois? J'avais pas vraiment envie de voir ça. Oh mon dieu. Lauriane, elle a foutu des paillettes dans sa vie. Oh putain. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, je pose cette merde. Arrêtez de m'écrire! Je vous aime, mais arrêtez de m'écrire! Il va falloir qu'on lance le jeu. Ah là là. Terrible. Terrible. Bon, et sinon, Dentil, Lek, quoi de beau chez vous? Comment ça se passe chez vous? Parce que Dentil, il faut savoir qu'on se connaît dans la vraie vie. Donc j'aimerais bien avoir de tes nouvelles. Et Lek, j'aimerais bien savoir comment ça va, comment la vie se passe. Voilà. Au pire, tu mets une vidéo d'Outlast et tu fais semblant de jouer. Je mettrai la vidéo de Cory. Oh putain. T'as reçu un gros caillou du coup? Non, j'ai pas reçu un gros caillou, mais putain, j'ai reçu des paillettes. Une chiette paillettes. Vraiment. J'en peux plus, il y en a partout. Vous le voyez pas, vous? Mais moi, mon bureau, il brille. Mon sol, il brille. Mon sol tout neuf, il brille. Au secours. Ça va et toi? Bah écoute, moi je vais super bien. Hormis cette merde, je vais super bien. Voilà, je suis contente. J'ai enfin un setup réel. En vrai, il manque juste un truc. Un truc, mais il faut juste que je prenne le temps de l'installer et de faire les réglages et tout ça. Donc faut que j'attende mon frère qui rentre ce week-end. Mais voilà. C'est... On va installer ça. Histoire de ne plus avoir ce micro-là, mais d'avoir un vrai micro dans lequel on va pouvoir chanter. Ça, c'est chouette! Voilà. Oh là là. Bah, si tu veux, je viens t'envoyer une photo pour te montrer à quel point j'ai des cheveux. Comment ça, à quel point t'as des cheveux? Genre, toi, t'as des cheveux. Excusez-moi. Non, attendez, attendez, parce que du coup il y a un problème. C'est-à-dire que avant c'était moi qui avais les cheveux hyper longs et Dentil qui avait les cheveux très courts. Et là il vient de m'envoyer une photo. Dans pas longtemps il se fait des tresses, c'est un nain. Hein. C'est incroyable. Et sinon ma boule au dodo et peut-être que je devrais aller voir un médecin. Comment ça? Qu'est-ce que t'as fait encore? Pourquoi faut que t'ailles voir un médecin? Pour te donner du courage pour Outlast les paillettes. Ah j'ai trop peur, vraiment, je vous jure, je suis pas bien. J'aurais préféré faire n'importe quel jeu, mais pas Outlast, quoi. Je fais déjà des tresses. Bah, ça m'étonne pas de toi. Bon appétit, Lauriane. Tu vas chanter avec une chouette. Comment ça, avec une chouette? Non, je vais juste chanter. Parce qu'il faut savoir que mon métier, avant d'être streameuse, c'était chanteuse. Voilà. À la base, mon métier, c'est chanteuse. Voilà. J'ai peut-être quelque chose de cassé dans la main. Encore? Comment ça, peut-être? Quoi? Elle a gonflé il y a un mois et ça dégonfle pas. Mais pourquoi t'es pas déjà allé voir un médecin, trou de balle? C'est pas possible, ça. Mais j'en peux plus de toi. Mais ta main, elle gonfle. Tu vas voir un médecin tout de suite. T'attends pas 1000 ans qu'elle dégonfle pas. J'ai pas mal, mais c'est pas mon problème. Les hommes, putain, je comprends pas. Vous me dépassez, vraiment. C'est... Ça me dépite. Bah t'as dit, et ça c'est chouette. Ah oui, peut-être. Peut-être. Mais je me souviens pas de ce que je raconte aussi, donc... Moi je dis de la merde, je me souviens plus une seconde après. Donc forcément, c'est compliqué. Enfin bref.
Du coup, ce soir, on découvre Planète Zoo. Voilà. Parce que j'ai vu des vidéos dessus. Et les jeux de gestion comme ça me donne bien envie. Donc on va jouer à Planète Zoo. Voilà. Et je connais pas le jeu, donc c'est très fort probable qu'on ait des animaux qui meurent, qu'on ait des gens qui viennent visiter notre zoo, qui meurent. Enfin bon, bref, ça va être une boucherie, quoi. Je me suis coupé avec ma souris correctrice en jouant avec. Alors. Attends, quoi? Alors que. Alors quoi? Ah. Alors que quand je le fais exprès, ça marche pas. Comment ça quand tu le fais exprès? Comment ça quand tu le fais exprès? Jean, comment ça? Comment ça? Fais crever des chats que j'en mange un bout. Alors, on aura peut-être des gros chats, mais pas des petits à mon avis. Voilà, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Planète Zoo, c'est littéralement un simulateur de zoo qui apparemment est assez poussé. Apparemment. Donc ouais, il est fort probable que nos animaux meurent. Fort. Tant mieux, ça fait plus de viande, mais putain! Le mec, il va manger du lion. Littéralement. Va pour voir si ça coupe tout le temps. Ça veut dire que t'as une souris blanco. Essaye de voir si ça coupe avec. Mais pourquoi? Je comprends pas. Les zoos, c'est pas bien. Ça dépend. Ça dépend. Je dis pas que tous les zoos sont bien, mais je dis que certains sont là pour protéger des espèces et pour les réintroduire dans leur milieu naturel. Donc, certains zoos sont bien. Voilà. Donc il faut pas dire bouh, les zoos, c'est de la merde. Non, les zoos, ils servent aussi à la conservation de certaines espèces. Donc il faut faire attention. Terrible, même pas peur. Même pas peur. Oh putain, je suis en train de me dire. Je vais peut-être vous rajouter des sons qui font peur comme ça pour jeudi, si j'ai le temps. Si j'ai le temps, je vais peut-être vous rajouter des trucs comme ça, parce que quitte à être maso et à jouer à un jeu qui fait peur. Pourtant, il jouait en plein, quoi. Voilà. 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 Bon, on va lancer Planète Zoo. Par contre, je vous dis, je n'ai pas fait les réglages son. Donc si ça se trouve, le son du jeu va être super fort et va vous niquer les oreilles. Donc faites attention. Faites gaffe, baissez le son du live si jamais. Je lance le jeu. Let's go. Bim. Hop. C'est quoi ça, Ansel? Qu'est-ce que cette merde? Il se passe des choses. Le son de prout sur la lèvre de Lauriane sont exceptionnels. Je sais pas du tout. C'est quoi la peur? C'est un état qui fait que t'as envie soit de te barrer en courant, soit que tu te figes. Grosso merdo, hein. Ah, attendez. Ah, le son est fort! Ya, baissez le son! Ok. Hop là. Alors. Donnez-moi une seconde. Hop, je cadre le jeu correctement, parce que là il n'est pas cadré correctement. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça? Ah, mais c'est Windows Capture ça, hein? C'est pas Windows Capture que je veux, moi c'est le jeu. Donnez-moi une seconde, je vous fais ça tout beau et ensuite je vous montre. Hop, hop. Touti tout, tita tout. Nous sommes sur Planète Zoo. Planète Zoo. Hop. Mettre à jour. Poup. Hop. Zwep. Zwep Planète Zoo. Zwep. Je coupe la musique. Et je récupère le chat. Parce que sinon, je vais pas vous voir et ça va être compliqué. Poup. Voilà. Vous êtes beau, vous êtes mignon, je vous vois, je peux vous lire. Alors, qu'est-ce que vous avez dit comme bêtise? Oh, coucou, Ker!
Oh là là! Hé hey Kerr! Est-ce que t'as vu à quel point c'est sexy derrière moi là? Hein? Hein mon bon Kerr? Sexy hein? Oh mais attends, j'ai une méga idée pour Halloween. Tu mets un overlay d'Halloween et tu achètes des trucs d'Halloween pour les décors, ça peut être cool, non? Alors ça peut être cool, le problème c'est que je suis pauvre. Donc acheter des trucs d'Halloween c'est compliqué. Hurra! Coucou! Hurra qui fait plouf! Terrible. Et pour Noël tu fais la même chose. Mais pour Noël, on essaiera d'y foutre un petit sapin genre là. Vous inquiétez pas. Je sais même pas si j'ai encore un petit sapin qui traîne chez moi. Si, probablement. On trouvera. On trouvera, on trouvera. Bon appétit, Lec. Ah, attendez, est-ce que j'ai lu tous vos messages? Tic, 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 tic. Normalement, oui. Normalement, oui. Comment tu vas, mon bon Hura? Hop. Ok. Est-ce que le son du jeu est assez fort? Est-ce que vous entendez le jeu, les enfants? Ou pas? Tu veux passer à la maison? J'ai des décorations d'Halloween. C'est vrai, tu me prêterais des décos d'Halloween pour que je décore ce setup? Ce serait fou. Ce serait fou. Chez Adèle, faut que je prépare à manger, mais sinon ça va. Oh bah écoute, faut faire à manger, hein. Mange, mange. Mange, mange. Eh bah, je passerai avec grand plaisir. Très très grand plaisir. Wait, pourquoi on est 12 là d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour les gens, bienvenue. D'ailleurs, c'est quand mon anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 12 juin. Voilà. Le jeu a un son. Normalement, oui. Là, vous devriez l'entendre. Attendez, je vais le mettre à fond, je vais baisser le son dans mon casque. Voilà. Normalement, vous l'entendez. Aussi beau qu'Orti ton décor. Oh, Kerr, ça me touche! Oh, bichon! Oh là là! Je suis en train de dessiner un Tom Giro. Bah dis donc. Tic-tac-touc, tic-touc. Alors, il est possible que je... Quoi? Il est possible que je sois deux fois... Non mais y a pas de soucis, t'inquiète. Hein. Tout va bien se passer. Hein. Alors, bienvenue dans Planet Zoo. Merci de nous avoir rejoints. Il ne vous reste qu'à remplir quelques petites formalités pour accéder au monde merveilleux de Planet Zoo. Pour commencer, nous allons créer votre double virtuel qui représentera vos fabuleuses créations au sein de la communauté de Planet Zoo. Assurez-vous de créer un personnage que vos amis reconnaîtront. Bah je peux pas monter le son plus fort les enfants, hein, parce que je suis au max du max. Voilà. Ah si, si vous l'entendez, c'est clair, le son est pas très fort. Déjà, on va faire une gonzesse. Parce que nous sommes une gonzesse. Et une petite guitare. Ah là là. Le son est hyper bas, mais je suis pas bien sûre de pouvoir le monter plus. Si je fais ça. Vous devriez peut-être un peu plus, mais... Attendez. Mélangeur de son. Je peux pas le monter un peu. Non, je peux pas. Je peux vraiment pas le monter plus. Je suis désolée, hein. Je peux pas plus. Voilà. Voilà. Je te regarde sur la console et je t'écris avec mon PC avec les deux comptes, hein. D'accord. T'es pas une gonzesse, t'es ma victime préférée. J'ai peur. J'ai peur. Alors déjà, il faut qu'on soit pâle comme un cul. Parce qu'il faut bien se l'avouer, on est pâle comme un cul. C'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est qu'on va gérer un zoo. Voilà, tout simplement. Sinon, faut que je finisse de préparer mon oral pour jeudi matin. T'as un oral jeudi matin? Courage. Est-ce qu'on est une adulte ou est-ce qu'on est un enfant? On va dire on est une enfant. Et on est clairement une brindille. Voilà. Oui, c'est moi qui vais le créer. Tout à fait. Alors, tête. On est une bonne brune. Voilà. Et cheveux. Est-ce qu'on a les cheveux genre très courts? C'est le plus court qu'ils aient. Très bien. On est pas mal. Avec un long nez, on est pas mal. Après, c'est le diplôme. Soutenance de fin d'alternance. Ah putain! Bah bon courage! Hein. Pas de comme quoi on connaît les teams. Hein. Non, ouais, t'inquiète. Je suis au courant que je suis plate. À un moment, dire que j'ai de la poitrine, ce serait mentir, tu vois. C'est
à un moment, je ne peux que me soumettre face à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des pulls, plein de pulls, une veste dégueu, un truc qui est censé avoir des rayures, mais il n'y a pas de rayures. Extrêmement déçu. Une chemise, un t-shirt absolument exceptionnel. Est-ce que quelqu'un sait comment on crée son propre badge? Qu'est-ce que t'appelles ton badge? C'est la grande question. Qu'est-ce que t'appelles un badge? Ça, c'est quoi? C'est une armure de plate? On dirait une armure de plate. Ça, c'est un t-shirt morse. On va mettre ça. Je l'aime bien. Voilà. T-shirt coloré, c'est pas mal. Il y a des gens qui mentent bien en disant que la Terre est plate, donc bon. Ouais, mais tu vois, ils mentent pas réellement parce qu'ils le croient vraiment, tu vois. Ils croient vraiment que la Terre... Merde ! J'ai pas fini de créer mon avatar. Modifier l'avatar. On n'a pas fini de créer l'avatar, on y retourne. Ensuite... pour Twitch qui s'affiche par exemple... Attends, quoi? À gauche, par exemple, là j'ai un œil avec une barre. Alors... C'est moche comme t-shirt. Eh, c'est très bien comme t-shirt. Oh, merci Ura. Ura qui répond à ta question. Tu vois, Ura qui est une personne fantastique. Qui fait mon travail, du coup. Et ça, c'est chouette. est-ce qu'on se met un vieux survêt dégueu? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un short, mais... Ouais, un jean. Jean. Genre un jean bien dégueu. Genre j'ai quoi comme couleur là? J'ai un jean bordeaux. On va se mettre un jean bordeaux. Hop. Par contre, est-ce qu'on peut pas... On peut pas changer les couleurs de ça? Bon, on ne changera pas les couleurs de ça. Hop. Les chapeaux. Oh, on peut mettre des chapeaux exceptionnels! C'est fou. Heureusement, il y a quelqu'un qui fait ton travail. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est juste, ça aurait pris plus de temps si c'était moi qui l'avais expliqué, tu vois. Ah, oh, putain. Oh, ce chapal! Enfin, tu... On dirait un mélange entre une glace et un étron. C'est terrible. Go passer 3 ans à choisir les chaussettes. Y a pas les chaussettes, Kerr! Sinon, je te jure, on aurait fait des chaussettes, mais impeccables. Impeccables. Alors, Kermengi, il a 3 badges. Le rose, c'est parce qu'il est VIP. Le petit bonhomme, c'est parce qu'il s'est abonné chez moi, avec de l'argent. Et le troisième, c'est parce qu'il a utilisé son abonnement Prime, avec Amazon Prime. Un glatron. Un mégatron. Oh putain, un mégatron. Mais on va pas mettre de chapeau, parce que je mets jamais de chapeau. Voilà. C'est chelou de vouloir embrasser Tanjiro, non? Pas du tout. Mais alors, pas une seule seconde. Je suis trop fort en fait. Ouais, ça va, te la pète pas non plus. Positionnez le QG de l'avatar. QG est l'endroit où votre avatar apparaîtra pour les autres joueurs. C'est aussi là que vous pourrez accéder aux zoos. Les plans que vous partagez. Eh bah écoutez, on va se foutre en France. Genre dans le sud-est de la France. Ch'tonk. Voilà. On est chez nous. On est bien. Fantastique. Oh, la musique, il s'excite. Oh, y'a plein de gens! Oh, wow! Exceptionnel! C'est beau! Et toi en Afrique? Mais non! On va se mettre en France! Parce qu'on est des bons Français! Des bons Babtou! Alors. D'ailleurs, pour le décor, on peut mettre la poisson. La poisson. La poisson. Mais sachez qu'il y a déjà une photo d'Apo dans le décor. Ah putain, je vais vous la montrer. C'est une photo de quand on était petite et jeune et bête. Ih. Voilà, elle m'en voudra pas de vous la montrer, mais... Regardez. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Apo. Voilà. Maintenant, vous voyez la gueule de ma meilleure amie. Elle est belle, hein. Elle est carrément plus jolie aujourd'hui qu'à l'époque. Parce que vraiment, à l'époque, on était... deux êtres absolument exécrables. Mais... Hop. Voilà. T'es toujours petite et bête. C'est pas vrai. Oh, Ura. Mais Ura qui offre un... Qui offre un abonnement à Zarfex. Mais merci beaucoup. C'est gentil.
Il y a une photo de Fred. Ouh, bah il n'y a pas de photo de Fred, parce que j'ai pas de photo de Fred, en fait. Voilà, si j'en avais une, bien sûr, il serait caché derrière moi, comme ça vous ne le verriez pas. Oh, la musique! Excusez-moi, je kiffe. Je t'envoie un MP d'où vient la potion, mais bien sûr. C'est cadeau Eliba, merci beaucoup Ira. Mais surtout, merci pour Zarfex. Voilà, du coup Zarfex, tu as accès à des émotes que tu n'avais pas avant. Allez, nous, on commence le jeu. Voilà, petite fille. Bah ça, sachez que ces petits personnages là que vous avez quand vous vous abonnez, ça s'appelle des Lulu. Voilà. Ok. Alors, formation au manoir Goodwin House. Initiation. On est parti. Il y a des scénarios chronométrés. Ouais, non, on va faire des scénarios normaux. Formation au manoir Goodwin House. Rénové et rebaptisé après son achat par Bernard Goodwin dans les années 80, Goodwin House est devenu l'un des halls les plus respectés du pays. Il a récemment subi des rénovations pour améliorer de nombreux habitats et services. Cependant, du fait de quelques problèmes, le travail n'a jamais été terminé. C'est là que vous intervenez. Je propose, pour tester, on va se mettre en facile, histoire de comprendre comment ça marche, etc. Qu'on soit pas emmerdé. Voilà. Il est plein de points Goodwin, mais putain, Goodwin, pas Goodwin. Ah là là, adorable. Hein. Désolé, mais tu vas bien avec Fred, ne m'en veux pas. Non mais t'inquiète, Jean. On nous l'a déjà dit plein de fois, mais Fred, c'est juste mon meilleur ami. Bichon, je le mets dans une friend zone à chaque fois, c'est terrible. Mince, my bad. Non mais t'inquiète. T'inquiète, Ura. Alors attends, parce que du coup, tu m'as envoyé, Bastien. Oh, je m'en souviens, oui. Oh putain, oui. Non mais oui, la potion, ça y est, je m'en souviens. Très bien. Succès déverrouillé, formateur. Wow. Eh mais c'est beau en fait. Théma, comment c'est beau. Ah, hey yo, Théma tout. Oh pardon, j'ai parfois tendance à parler en planco. Je suis ravi. À parler en plan. Oh mais il parle vraiment le con. Je suis ravi de vous rencontrer enfin. Je suis Bernard, mais appelez-moi Bernie. Il n'y a que ma femme qui m'appelle Bernard. Et encore, seulement quand j'ai mis de la bouse d'éléphant sur la moquette. Je sais que ça lag, ne vous inquiétez pas, je règle ça juste après la cinématique. Et comme vous savez, j'ai plusieurs os. Mais j'aime montrer ici aux gens les ficelles du métier. C'est le premier zoo que j'ai ouvert. Et j'en suis très fier. Fier comme un paon, évidemment. Mais une grande rénovation est en cours, et c'est là que vous intervenez. Malheureusement, notre entrepreneur a dû partir à cause d'une allergie au poids. C'est vrai qu'il a la voix de Kev Johnson. Et son dentier dans l'habitat des lions, le pauvre. C'est à vous de prendre le relais. Mais pas d'inquiétude. Je ne vais pas vous jeter dans la fosse aux lions. La chef des soigneurs, Nancy Jones, va vous aider. Elle ne rechigne pas à la tâche et attendra la même chose de vous. Mais je suis sûr que vous vous entendrez comme larron en foire. Enfin, plutôt comme larron en zoo. Ça se dit larron en foire? C'est Ura qui t'a offert ton abonnement. Avoir votre teint frais, je pense que vous devez être la nouvelle recrute de Bernie. Bonjour Nancy. Parfait. Vous allez pouvoir mettre de côté votre diplôme, car on va directement passer à la pratique. Ah, ah, fous le jeu sur pause. Avant de passer aux choses sérieuses, familiarisons-nous avec le zoo en apprenant comment se déplacer et rendre visite à nos amis les animaux. Wow. Commençons par nos amis les animaux dans leur habitat. D'accord. Comment je me déplace? Ok, avec clic droit. On tourne avec clic molette, normal. Ah oh putain, c'est des contrôles inversés, ok. Localiser habitat pour grizzly, utiliser la caméra de l'animal grizzly. Ok. Ça c'est les grizzlies. Savez-vous que le grizzly, Ursus arctos horribilis en latin,
peut hiberner 7 mois par an. Pour être honnête, je pense que beaucoup d'humains feraient pareil s'ils le pouvaient. Vous avez envie d'hiberner 7 mois par an ? Pour afficher son panneau d'information. Ouais, t'inquiète, donne-moi une seconde. Je lis le chat, Nancy. S'il te plaît. Oh, le lâche est pendu. Terrible. Alors, on clique sur une bait. Vous y trouverez toutes sortes de données sur votre animal. Oh, il s'appelle Zachary. La chose la plus importante est le bien-être général. Donc ça. Vous en apprendrez plus sur le bien-être des animaux aujourd'hui en découvrant vos objectifs. Mais pour l'instant, observons cet animal magnifique. Sélectionnez la caméra en bas de son panneau d'information. Bah super. On a vu sur son boule. C'est pratique d'observer vos animaux de plus près. Vous obtiendrez aussi cette vue en double-cliquant sur un animal. T'es mal le boule. Allons à l'autre. Le bon boule. Pour observer les lions. J'ai indiqué leur emplacement pour que vous les trouviez. Qui veut voir le bon boule de l'ours? Ah putain, mais comment je tourne avec ça moi? Ah comme ça tout simplement. Putain, il y avait plein d'étrons en plus. Bonjour l'ours. Oh regardez-moi ça, cette superbe. Ah oh là là. C'est beau, hein. Ah là là. C'est un peu long, je déteste m'ennuyer. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Ça va le faire, juste profiter de la carrure de l'ours. Oui, Théma, le bon boule de l'ours. En vrai. C'est peut-être moi qui ai des problèmes. Mais est-ce que je suis la seule à trouver qu'une petite queue d'ours comme ça qui fait juste boum, c'est mignon. En vrai. Franchement, moi j'aime bien. Comment je sors de cette merde? Comme ça? Comme ça. Superbe. Localiser l'habitat des lions d'Afrique de l'Ouest. Lions d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est là. Attendez, on va fermer le truc de Zachary. I-E-A-U. On est dedans. La okay. Panthera Léo, ou lion d'Afrique de l'Ouest, comme on l'appelle. Le lion est le plus sociable des gros félins. Regardez-moi cette boule. Une troupe de lions peut compter jusqu'à 40 individus. Mais c'est plutôt rare. Comme dirait Bernie, le lion et l'humain sont faits l'un pour l'autre. Kev Johnson et Bernie, ils ont le même doubleur. Putain, mais t'es trop fort. Je suis chargée de l'information maintenant. Oui, Nancy, c'est bon, blabla. Blabla. Vide pour voir quel travail nous y attend. Oui, tout à fait. Commençons réellement, parce que je vous lis, c'est compliqué. Un habitat vide. Là. Je vais aller là. Jouep. Il est beau, cet habitat. Comme vous voyez... C'est un endroit agréable pour un animal, mais il manque un petit quelque chose. Enfin, deux. Les facochères. Ou des facochères ! Vous en adoptiez deux. Pour cela, ouvrez le marché des animaux qui se trouve dans la section échange d'animaux. Échange d'animaux. Là. C'est Monsieur Porc. Voilà, deux magnifiques facochères pour notre zoo. Cliquez dessus et sélectionnez adopter dans le menu latéral. J'adopte. Normalement, il y a plein d'animaux. Mais j'ai vidé le marché tant que vous appreniez comment ça fonctionne. Je n'ai pas envie que vous commandiez une dizaine d'éléphants. Boum bah. Quand vous adoptez un animal, il manque ta bite. Il est automatiquement placé dans animaux en attente où il reste jusqu'à ce que vous le transfériez dans son habitat. Animaux en attente ? D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. Déplacer ces animaux dans leur nouvelle demeure. Là. Animaux en attente. Envoyer dans le zoo. Là. Et toi, envoyé dans le zoo, là. Vous demandez le transfert d'un animal dans un habitat. Vos agents d'entretien se rendent au centre d'échange, récupèrent l'animal et l'amènent dans l'habitat sélectionné. J'ai indiqué l'emplacement du centre d'échange. Allons voir les agents d'entretien en pleine action. Ils sont où? Allons voir des gens qui bossent pendant qu'on branle rien. Là. Hop. Comme vous voyez, les agents d'entretien ne chôment pas. Ils déplacent les animaux vers leur destination le plus vite possible. Oh, regardez-les. En temps normal, il faudrait placer les animaux en quarantaine avant de les transférer dans un habitat. Mais une personne de confiance m'a assuré que ces facochères étaient en excellente santé. Bien. Terminons l'habitat des facochères pour qu'ils soient heureux. Ah, ils courent vite, putain. Chaque animal du zoo a une statistique de bien-être général qui indique en gros son niveau de bonheur. Ce bien-être général est lui-même composé de 4 sous-sections. Alimentation, social, habitat et optimisation. Heureusement, il suffit de sélectionner un animal pour afficher le panneau d'information de son bien-être que nous avons vu plus tôt.
Comme ça, vous savez exactement quels sont les points à améliorer. D'accord, madame. Ne vous inquiétez pas, s'il y a trop de choses à retenir, vous pourrez consulter la zoopédie au besoin. D'accord, madame. Mais encore. Commençons par veiller à la bonne alimentation des facochères. Donnons à manger aux facochères. Il faut placer un point de nourrissage et un abreuvoir. Ok. Chaque animal nécessite un type de point de nourrissage différent. D'accord. Pour les facochères, c'est une petite auge. Ajoutons-en une, ainsi qu'un petit abreuvoir. D'accord, je fais ça comment, madame? Là, habitat. Superbe. Une auge et un abreuvoir. Une petite auge. Petite auge. Est-ce qu'on va la foutre là-bas dedans? On va peut-être y foutre là-bas dedans. Il y a un toit. Il y a un putain de toit, au secours! Attendez. Oh, ça va être compliqué cette histoire. Ok, je peux pas y foutre là-dedans. Bon, bah déjà, ça c'est fait. Sachez que je suis extrêmement nulle pour me déplacer avec ce genre de caméra. Ou alors, vous savez quoi? On va y foutre là dans le coin. Comme ça, quand ils mangeront, on pourra les voir. Ch'tonk. Donc une petite auge. Et un abreuvoir. On va voir qu'on va mettre là, parce que c'est pas trop dégueulasse. Les animaux ont aussi besoin de stimulation pour être heureux. Ajoutons un joli bain de boue pour que les facochères soient dedans. Oh, un bain de boue! Ce bain améliorera le bien-être lié aux optimisations, en particulier les optimisations ludiques. Oh. J'perme! Bravo, gros bain de boue! Travail. Vous avez pris le coup de main, on dirait. Notre entrepreneur est parti précipitamment. L'endroit est donc loin d'être au point et il reste encore beaucoup de choses à faire. Oui, madame. Mais tout d'abord, vous allez devoir terminer l'habitat des autruches. Près de celui des hippopotames. Des autruches ? Où ça ? Oh, des autruches ! Où est-ce qu'elles sont ? Où est-ce qu'elles sont ? Oh, et avant de commencer à construire un habitat pour nos autruches, mettons le jeu. Il est cassé. Il est cassé l'habitat des autruches. En bas à droite. Terrible. Oui, ah, on a mis sur pause. Une petite pause. Parfois, mince pas. Il vaut mieux mettre le jeu en pause quand vous avez besoin de vous concentrer. Elle parle trop longtemps, la dame. Dans le zoo pendant que vous avez affaire ailleurs. Elle parle trop longtemps, la dame. Le jeu en pause pendant la construction de l'habitat des autruches. Mais moi, je voulais voir les autruches. Votre première tâche consiste à ajouter une entrée pour les soigneurs avant de terminer la clôture. Ok. Chaque habitant en a besoin. Sinon, comment entrerait-il? C'est pas faux. Vérifiez qu'elle est rattachée à l'allée pour que les soigneurs puissent l'atteindre. Ok. Clôture. Une porte. Ch'tonk. Comment ça, en dehors de la zone? Bon. Ah d'accord, faut que ce soit bleu. Ch'tonk. Terminons la clôture de délimitation pour adopter les autruches. J'ai indiqué une zone à utiliser. Terminez le périmètre à l'aide de la clôture en briques. Au secours. Au secours. Pourquoi ça marche pas? Ouais. Attendez, j'ai des problèmes. J'ai déjà des problèmes. Ça commence bien. Là. Quoi? Je fais pas le bon clic? Je comprends pas. Ah, fallait juste que j'arrête de rester cliqué. Ah. D'accord. Ah, donc c'est du 2 mètres par 2 mètres. Ok. Là, on est dans un arbre. Au secours. J'aurais pas mis la porte là, lol. Bah, c'est pas mon problème! Ch'tonk. Ah. Comment je... C'est trop long. C'est trop long, comment je fais? Y'a pas un endroit pour me dire comment je rétrécis ça? Oh, attendez. Si, là. Longueur, c'est sous ma gueule. Chiant. Et monter un petit peu plus. Et encore un peu plus. Un 6 mètres. Allez. 7 mètres, allez, 7 mètres, c'est bien, 7 mètres. Ch'tonk. 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 Et on rattache à ces bouts-là. Ch'tonk. Bien joué. Fantastique. N'oubliez pas, avant de mettre des animaux dans un habitat, il faut construire une clôture complète. Attends, quoi? Vous avez sûrement remarqué que les visiteurs ne pouvaient pas voir l'intérieur de l'habitat pour l'instant. Enfin, Bastion. Sauf avec un escabeau. Qu'est-ce que t'as fait, Bastion? Ceci étant interdit, sélectionnez un élément de clôture. C'est interdit, les escabeaux? Du verre pour que les visiteurs puissent voir dans l'habitat. Les escabeaux, c'est interdit.
Vous y croyez ça? Ça par là? Oups. Et ça par là. Non, parce que tant qu'à faire. Si on pouvait voir des autruches. Avant la fin de la journée. Moi j'aimerais bien. Hein. Ok. Cliquez sur la couture en verre de navigateur pour les changer. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, putain. Moi j'ai dit je voulais tout ça en clôture. Mais après comment je la valide ma clôture? Je fais genre rentrer ou une connerie du genre? Je découvre. Hein. Comment... Hein? Comme ça? J'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Et maintenant? Ok. Non? Mange pas comme ça? Comment je fais? Le jeu? Comment... Comment on est d'accord avec ça? Je... Est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que je suis vraiment coincée? Juste pour ça? Et voilà. Ah, ok, faut recliquer dessus. Le fait d'ajouter des fenêtres permet aux visiteurs de mieux voir les animaux. Non mais je voulais en mettre plus, moi, en fait, des fenêtres, mieux parce que là, c'est moche. Que la visibilité est bonne depuis l'allée. Les visiteurs seront ravis. Et ce ne serait pas vraiment un zoo si on ne pouvait rien voir. Terrible. La dernière chose qu'il vous reste à ajouter... Ah, outre là, c'est jeudi. Les visiteurs font des dons quand ils apprécient une boîte à dons. Un animal. Qui veut une boîte à dons? Placer ces boîtes à des endroits accessibles, près d'un point de vue, par exemple. Oh, une boîte à dons. Les boîtes de dons sont l'une des principales sources de revenus du zoo. Ne les oubliez pas. Ch'tonk. Bon, avant d'adopter nos autruches, vous devez cliquer sur le bouton de lecture. Après tout, le jeu est en pause et nos agents d'entretien aussi. Ça va donc être dur pour eux de livrer les autruches, hein? Oh, des autruches. On va avoir des autruches. En plus de la pause... Oui, on peut accélérer le jeu, regarde. Jeu en cliquant sur le bouton d'avance rapide. Il y a des gens qui courent, regarde. À 5 fois plus vite. Regarde comment il court, lui. Surtout si vous attendez d'accumuler de l'argent ou de recevoir des animaux. C'est beau. Pour un habitat. Personnellement, je... Moi, je suis sûr que t'as vraiment une heure de colle, genre. Je suis sûr. Bon, il est grand temps d'adopter nos autruches. 4 autruches. Mettons-en 4. Où ça? Ici. Oh, regardez-moi ces autruches. J'adopte. 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 À moi les autruches. Voilà. À nous les autruches. Hop, et ensuite on fait boop. Envoyer au zoo là. Toi. Boop, envoyer dans le zoo là. Toi. Berne, berne dans le zoo. Et toi? Berne, berne dans le zoo. Les agents d'entretien les récupèrent et les... Ah là. Vous devriez préparer leur habitat. Coucou Slow. Ajoutez un point ça de va message adapté, un abreuvoir et une optimisation alimentaire appropriée. Une optimisation alimentaire appropriée. Les optimisations et les points de nourrissage près du périmètre de l'habitat pour que les visiteurs puissent bien voir les animaux. Habitat. Mangeoire régulatrice, ça doit être ça. Pêche. On met une mangeoire. Comment ça, obstruction? Pas d'obstruction. Une mangeoire. Petit abreuvoir au grand écuelle. Grand écuelle, bien sûr. Ch'tonk. Voilà. Un abreuvoir aussi. Bah très bien, bah foutons-y un abreuvoir. Comment je tourne ces trucs? Ah, oh, ah. Oula. Basculer sur l'axe relatif, l'axe du monde, quoi? Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais de la merde. Content de voir que les autruches ont de la place pour se dégourdir. Bon, pas très bien. Bon, pas très bien. Vous saviez... Écoute-moi, ça va bien. À 70 km/h. 70 km/h, vous imaginez vous faire courser par une autruche? Je s'échappe pas. Nota bene, c'est un merdier. Ruinerait en excès de vitesse. Bernie semble impressionné. Il a fait sa... Faut, mais j'ai cru ça sur Pronote. C'est écrit en permanence au lieu de pas courir. Ah, oh, terrible. Bon, maintenant qu'on a amélioré la vie des autruches, faisons la même chose pour les soigneurs.
Afin que ces derniers nourrissent plus facilement les autruches et les hippopotames, on doit leur construire une cabane de soigneurs. Ils y prépareront à manger pour les animaux. Placez ces cabanes près des habitats afin que les soigneurs ne perdent pas de temps pour aller s'occuper de leurs protégés. Ok. Cabane à soigneurs. Petite cabane ? Petite cabane mignonne. Vous devez pivoter la cabane de soigneurs pour la relier à l'allée. Ouais, bah t'es rigolo. Comment je fais ? Comment je fais ? Je... Maintenez W et déplacez la souris. Hein ? Ok. Attends, c'est où la porte ? Ah, elle est là, la porte. Superbe. Ch'tonk ! Superbe ! Je dois y aller, désolé. Y a pas de soucis, Jean. Des bisous, merci d'être passé. Cette cabane ne peut abriter qu'un seul soigneur. Ok. Mais la plus grande peut en accueillir plusieurs qui pourront préparer la nourriture en même temps. Ok. Oh, et n'oubliez pas que ces cabanes et autres locaux du personnel ne doivent pas être placés près des zones très fréquentées par les visiteurs. D'accord. Ces derniers n'aiment pas voir ce type de bâtiment. Et cela influe sur leur satisfaction. Ouais, genre. De façon négative, bien sûr. Tous les services et de nombreux objets ont besoin d'électricité. Ça inclut. Mais je vous jure, les visiteurs, ils peuvent pas voir les cabanes de soigneurs. Donc un transformateur juste à côté. Allez, petit transfo. Petit transfo. Petit transfo. 500 balles, le petit transfo. C'est parce que vous utilisez la carte thermique de l'électricité. Oh. On dirait les Sims. C'est alimenté en électricité dans c'est Sim City. Ce qui ne l'est pas. Après avoir placé votre transformateur, cliquez en bas à gauche pour désactiver la carte thermique. Ch'tonk ! Comment ça, rotation non validée ? Comment ça ? Comment ça, rotation non validée ? Ah mais oui, mais parce que ça aussi, il faut un chemin. Ch'tonk ! Bon travail. Fantastique. Les soigneurs peuvent désormais utiliser la cabane pour préparer la nourriture. Grâce à son emplacement, ils n'auront pas à aller loin pour nourrir les autruches et les hippopotames. Oh, c'est les hippopotames, là ? Objectif suivant, les tigres du Bengale. Oh, les hippopotames ! Rien n'est prêt pour leur arrivée. Regardez. Allez au terrain que j'ai indiqué. Oh, il joue avec son truc. Il joue avec son tonal, le popotame. Oh, il est en train de chier, on va pas le regarder chier. On a rien vu. Les lions, là-bas, du coup. Non, les tigres du Bengale, c'est ça qu'ils avaient dit ? Ah oui, y a rien qui est parfait. Fait là. Votre prochaine tâche consiste à construire un habitat à partir de rien. Ok. Enfin, de béton et de verre tout de même. Au travail. Veillez juste à ce qu'il inclue le gros trou qu'on a creusé. Et n'oubliez pas d'ajouter une entrée à la clôture. Ok. Alors. Et n'oubliez pas que les visiteurs doivent pouvoir voir les tigres. Ouais, t'inquiète, on t'a compris. On a quoi là autour ? À quoi ça ressemble autour ? On va continuer avec des poutres comme ça, hein. C'est bien des poutres comme ça. On est parti. Ch'tonk ! On va faire des grands murs. C'est vachement plus simple les grands murs. Hep ! C'est trop grand comme grand mur. Encore un petit peu plus petit ? Voilà, 14, 15 mètres peut-être. Non, j'ai dit 15. 15 mètres, fantastique. Ch'tonk. C'est le jeu de la détente quand même. Hein. C'est très agréable. Qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu, le chat, pour l'instant ? Même si on est d'accord que Nancy, elle parle beaucoup trop. Mais en même temps, c'est le début. Il faut qu'on apprenne. Ch'tonk. Ch'tonk et eh. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Hop. Ch'tonk. Donc, déjà, on a un enclos. Ensuite, là on a des trucs qui mènent aux soigneurs, donc on va foutre la porte côté soigneur. Parce qu'on n'est pas trop con encore. Genre,
pompe. Pour Bernie, la sécurité des zoos est primordiale. On devrait donc s'assurer que ces tigres ne peuvent pas sauter hors de leur habitat. Attends. Pour cela, nous allons modifier la hauteur de la clôture de l'habitat. Commencez en double-cliquant sur la clôture de l'habitat, ce qui ouvrira le mode de modification de clôture. Elle a dit quoi la dame? J'ai pas entendu. Parfait. Maintenant, mettez en surbrillance tout le périmètre de l'habitat. Pour cela, cliquez sur l'outil de sélection de clôture de l'habitat et faites-le glisser. Quoi? Faites glisser ce widget pour sélectionner la clôture de l'habitat. Ok. Maintenant que le périmètre est sélectionné, augmentez la hauteur en cliquant sur l'outil hauteur de clôture et en le faisant glisser vers le haut. La hauteur minimum doit être de 3,70 m. Hauteur, ça doit être ça? 3,70 m, mais c'est super haut. On va faire 4 mètres. Maintenant que l'habitat est prêt, c'est super haut. D'ajouter une boîte de dons près des points d'observation. Oui, la boîte à dons. Tous les dons sont les bienvenus. Parce que nous, on aime l'argent. Quand on sait que les tigres ne se contentent pas de nouilles instantanées. Ch'tonk. Boîte à dons. Bien. Parce qu'on aime l'argent. La délimitation de l'habitat est terminée. L'entrée de celui-ci est en place. Et surtout, c'est beau. Les tigres ne peuvent pas franchir la clôture. Wow. Il est temps d'adopter ces félins. Allez. On va adopter des gros chats. Gros chat. 12 000 balles, 12 600 balles le gros chat quand même, hein. Putain. Hop. On a des gros chats. Hop, toi tu viens là. Et toi, ch'tonk, tu viens là. Pendant que nos fidèles agents d'entretien récupèrent les tigres et nous les amènent. Fantastique. Préparons l'habitat pour leur arrivée. Ok. Commençons par les bases. Ajoutez un point de nourrissage adapté. Un point de nourrissage, donc. On a. C'est là-dedans, hein, pour nourrissage. Ouais. Mangeoire plateau. Une grande mangeoire plateau. C'est super moche. On va y mettre genre. Par là. Cette fois, au lieu d'un abreuvoir, essayons autre chose. Certains animaux ont besoin d'un. Oh, regardez, il est mignon, le minou! Il faut juste vérifier que les rives du bassin soient en pente douce pour que les animaux puissent facilement boire et se rafraîchir. Petit bébé chat! Un bassin est creusé, mais vous allez devoir le remplir d'eau. Oh, il est pour beau! Cela, allez dans terrain et sélectionnez l'outil pour l'eau. Ouais, deux minutes, Nancy, on profite du chat. Oh, petit bébé! Avouez, on aurait presque envie de lui faire une gratouille. Avouez. Oh, mais il y a son pote là! Incroyable! Alors, ils ont dit terrain, ils ont dit flotte, au calme. Je pouvais pas. Parfait! Ah. Ça devrait suffire. Bien sûr, comme les phacochères et les autruches, ces tigres ont besoin d'optimisation. Ah, super! Pourquoi ne pas ajouter des optimisations ludiques et alimentaires dans leur habitat? Des optimisations ludiques et alimentaires dans leur habitat? Des jeux, genre un grattoir et une citrouille sanglante, superbe. On va y foutre un grattoir là. On va y foutre une citrouille là. Très bien, ça commence à prendre forme. Ça ressemble à R. Ils ont besoin d'un abri dans leur habitat pour se cacher des visiteurs ou se protéger. Ça ressemble à R. De la viande, tout à fait. Comme on est en Angleterre, vous vous doutez qu'elles sont nombreuses. Ajoutez donc un abri. Est-ce qu'ils viennent vous de faire une blague de A à Z, comme quoi ils flottent tout le temps en Angleterre pour le plan que j'ai déjà créé pour vous. C'est rigolo. Abri. Voyons. Il est gros, ouais. Ils rentrent comment là-dedans? Comment vous avez tourné les trucs déjà? Ah oui, avec W. Ok, l'entrée est là. Superbe. On va le caler à peu près contre la clôture. Non mais... Je veux le tourner! Fous-moi la paix! Secours. Ok. Hop. Ch'tonk. C'est moche, hein. Vous avez dû remarquer que les tigres c'est moche. Un peu à cran. C'est parce qu'ils n'aiment pas beaucoup ce type de terrain dans leur habitat. Oh,
Ils aiment pas le terrain. Pour afficher son panneau d'information. Bonjour le chat. Cliquez sur l'onglet terrain. Vous pouvez ainsi consulter les informations sur le terrain et voir ce que les tigres ressentent quant aux différents types de terrain. Comme ça, vous saurez ce qu'ils ont ajouté ou retiré dans l'habitat. Ah, que tu es mignon. Ok. Ouvrez l'outil modification du terrain. Ah. Sélectionnez une texture et ajoutez de la terre. La sous-section habitat de leur bien-être devrait s'améliorer. Donc il leur faut de la terre, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Terrain. Allez, foutre de la terre. La terre. Genre de la terre là autour, tu vois. Yeah. Ça améliore ou ça améliore pas? Ça améliore pas beaucoup, hein. Allez. On peint. Ah, la terre, on est bon. Ensuite, de l'herbe longue, ils veulent. On leur en fout là-bas de l'herbe longue. Genre, yeah. Ça veut pas d'herbe longue? Y'a pas assez d'herbe longue pour eux là? Non? Plus d'herbe longue par là? Peut-être? Est-ce que c'est de l'herbe longue ça? Ouais. Pourquoi ils sont pas contents? Ils en ont de l'herbe longue. Je peux pas en mettre plus de l'herbe longue. Et de l'herbe courte. Mettre un peu d'herbe courte. Ok, herbe courte, ils sont contents. Non, faut qu'on foute plus d'herbe longue parce que je crois qu'on a mis trop de terre. Ok. Avec plus d'herbe longue, moins de terre. Ok, je commence à comprendre comment ça marche. Superbe. Ça va être compliqué de tout mettre bon. Attendez. Déjà, on va foutre de l'herbe longue absolument de partout. Ah non, il en faut moins. Putain, mais je suis trop con. Ça, c'est notre barre. Ok. D'accord, on va refoutre de la terre. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Allez. On refout de la terre. Ça, ils sont contents. Voilà, de la terre. De la terre un peu plus légère autour. Voilà, histoire que ce soit à peu près beau, à peu près propre. Voilà. Ok, de la terre, on est bon. On va foutre un peu de terre par là aussi, voilà. Voilà. C'est beau, hein. Vous avez vu, on essaye de faire des trucs propres. Et du coup, plus d'herbes courtes, moins d'herbes longues. Aïe. Zwep. Encore un peu. Encore un peu. On va mettre plus de terre. Eh bah ben voilà. Superbe. C'est vrai que ça ressemble au Sims un peu. Les bonnes clôtures font les bons amis. Ah bah. C'est particulièrement vrai quand on a pour voisin un tigre du Bengale. Enfin, ces tigres ont l'air si heureux que je pense qu'ils ne s'enfuiraient même pas si leur clôture était trouée. C'est pas dit ça quand même. Oh mais je vous en prie, ne tentez pas le diable. À mon avis, ils se barreraient à la première occasion. Au pan bleu. Oh, des il ponts. Il semblerait qu'on doive améliorer la partie sociale de leur bien-être. Attendez, on a des ponts. Allons voir les ponts. Allons voir les ponts. Oh, c'est stylé. Trouvez un pan et sélectionnez-le pour ouvrir son panneau d'information. Oh, on saura ainsi comment il va. On aura accès à un pan de sa vie, si je puis dire. Oh, Pébou, il est beau! Développez la section sociale pour avoir plus d'informations. Regardez-moi cette pouille. Oh là là, je suis comme une gosse. Je suis désolée, le chat. Hein. Ça doit pas être très palpitant pour vous, mais... Vraiment, j'ai une passion pour les animaux qui grandit avec le temps, et c'est terrible. Enfin, c'est fantastique, mais... Alors, social. On voit nettement qu'il a plein d'espace et qu'il n'est pas stressé. Mais on dirait que le groupe ne va pas bien. Découvrons pourquoi. Cliquez sur l'onglet social en haut du panneau d'information pour identifier le problème. Trop peu d'adultes et de jeunes. Il n'y a pas assez de gens. Les gens ont besoin d'autres congénères pour se reproduire. Pour résoudre on va adopter des pans. Adoptez 3 femelles pans supplémentaires. Rien que ça. Hein. Allez, direction... Le marché des animaux. Le marché des animaux. Wouh.
paon. 2 paon. 3 paon. Oh, il a des problèmes, lui. Hop. Merde, attendez, faut qu'on les mette... Faut qu'on les mette là-dedans. Hop. Deuxième paon. Troisième paon. Ch'touk. Bon travail pour ces pans. Ok. Ils vont être livrés bientôt. Fantastique. Malheureusement, notre panthère des neiges est d'humeur chagrine. Oh, quoi ? On va voir ce qui lui arrive. Oh, une panthère des neiges, elle est où ? Oh, bichette. Attendez. Tout comme panthère nous, des neiges, les animaux peuvent souffrir de stress si quelque chose ne va pas. Elle est où ? Comme quand quelqu'un met du lait avant le thé, par exemple. Ces panthères des neiges sont stressées par le manque d'intimité. Oh. Vous pouvez réduire leur stress en remplaçant les parois de verre classique par du verre sans teint. C'est coûteux, oh. Mais la dépense en vaut la peine, non ? Petit pépou. Les panthères des neiges auront un lieu où se réfugier quand elles voudront échapper au regard des visiteurs. Petit bébé chat ! Petit bébé chat ! Ok. Comment on fait ? Comment ? Comment ? Clôture peut-être. Versante. Hein. Non. Je veux pas cette partie-là. Je veux que celle-là. Non. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je fais n'importe quoi. Donnez-moi une seconde. On efface tout, on recommence. Je veux que ça vienne du versantin. Si un animal Fantastique. N'est pas dans son biome naturel, il risque d'avoir trop chaud ou trop froid. Évidemment, il fait trop chaud pour les panthères des neiges, même avec le climat britannique. Bibicha ! Vous allez devoir les rafraîchir en installant des ventilateurs dans leur habitat. Oh, des ventilateurs. Comment Tiens, tu voulais de la bouffe. La carte thermique des températures. Tu voulais de la bouffe, Dentil. Consulter la température dans l'habitat des panthères. Ok, des cartes thermiques. Carte thermique. Vous pouvez voir qu'il y a déjà un ventilateur ici. Ajoutons-en ah, oui. quelques-uns pour rafraîchir l'habitat autant que possible. C'est pas très écolo leur truc. Déjà l'électricité, mais n'oubliez pas de vérifier ce point à l'avenir. Chauffage et ventilateur. Si un élément de l'habitat est relié à l'électricité, tout l'habitat le sera. J'ai posé un ventilateur. Est-ce que ça marche ? Marche pas ? Est-ce qu'il fallait le mettre plus proche d'une clôture ? Comment ça marche, ces merdes ? Ajouter... Ah, 3 ventilateurs, d'accord. Ah, faut le temps qu'ils refroidissent, d'accord. Écoutez, on va en mettre un dans leur, petit, dans leur petite maison. Sont disponibles pour toutes sortes pas déconner. De choses. Veillez à les étudier et à les utiliser judicieusement. Il faut un peu de temps pour atteindre la bonne température une fois les ventilateurs ou radiateurs ajoutés. Maintenant qu'on a des ventilateurs, on peut s'occuper du terrain des panthères. Du terrain des panthères. Celles-ci veulent de la neige et des rochers. On va donc combler leurs attentes. Alors attendez. De la neige et des rochers qu'elles veulent ? Attendez. Donc, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, on clique sur la panthère. On prend le terrain. Ah, ils foutent de la neige. Vous en dites de la neige. Qu'est-ce qu'on en pense du jeu ? C'est vrai ça ? Qu'est-ce que vous en pensez du jeu ? En fait. Dites-moi. Louis, Louis, Louis. Louis, 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 Louis. Louis, 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 Louis. Louis, 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 Louis. Louis, 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 Louis. Toutes ces informations devraient vous aider. Louis, j'ai pas fini ! Vérifiez le bien-être de tous les autres pensionnaires du zoo et réglez leurs problèmes d'habitat. Bon. Ok. Ok. Alors. Vous améliorez. Maintenant qu'on a fait le tour de ça, on devrait pouvoir lancer une game. Voilà. Ça fait une heure qu'on y est. Mais voilà. La consanguinité réduira la fertilité et le potentiel du gène d'immunité au fur et à mesure des générations.
Nota bene, ne laissez pas vos animaux être consanguins. Voilà. Superbe. Mise à jour, waouh. Mise à jour, superbe. Construisez des zoos dans le monde entier, échangez vos animaux en ligne, bac à sable. Sans aucune contrainte, non. On va juste faire ça. Vous savez quoi? Parc de préservation, c'est quoi? Ah, pack préservation. Non, ça, c'est des trucs à acheter. Nous, on n'aime pas acheter. Alors, bienvenue dans votre franchise. Comment voulez-vous l'appeler? S'il ne vous plaît plus, pas d'acatil, vous pourrez le modifier intérieurement. Comment on appelle notre zoo? Le chat, un avis? Comment on appelle le zoo? J'aimerais bien l'appeler la boîte. J'aime bien les boîtes. Ou le zoo en carton. Ce serait raccord. Le monde des lits. Oh, c'est mignon, le monde des lits. Mais vous allez voir que notre zoo, il va être dégueulasse. Ok, on va l'appeler le monde des lits. Moi, ça me va. Non, pas d'élu, des lits. Let's go. Oh, la musique. Je kiffe la musique. Allez, on est parti. Mouiou ! Nouvelle récompense, vous avez gagné des trucs. Je sais pas ce que c'est. Les zobip. La garderie Zaya, oh putain. Ouais, mais la garderie Zaya, je suis toute seule, donc c'est pas drôle. Ok. Et bah... Réussite de franchise, c'est quoi ça? C'est les défis, communauté et compagnie? C'est les trucs qu'on n'a pas fait encore. Très bien. Nouveau zoo. Oh putain, il y a des types de biomes superbes. Alors, la fin promise, mais arrête. C'est horrible. Thomas, pourquoi? Faut pas faire ça. Alors, on part dans quoi? Un désert, une prairie, tropical, climat tempéré, taïga ou toundra? Moi, je pense que pour commencer, on pourrait faire un climat tempéré, tu vois, pour que ce soit bien en France. Voilà. Climat tempéré, à mon avis, c'est pas mal. En Europe. Et on va mettre un truc facile parce que c'est notre premier. Plat ou sculpté? Je sais même pas ce que c'est. Ah, le monde des lits, c'était la franchise. Ok, maintenant il faut le nom du zoo. Ah putain. Il faut qu'on ait un thème. Parce que du coup, si on a plusieurs zoos, il faut tous que les noms se répondent. Genre un truc nul. Zoo l'endroit, non, peut-être pas. Je suis désolée, mais... Je suis juste en train de m'éclater avec la musique. Ah là là. Elle est trop bien cette musique! En fait, faudrait qu'on mette plein de trucs avec Zaya à la fin. Mort, peste, famine et guerre, mais putain! Oh mon dieu, non! Excusez-moi, je viens de. En fait, j'ai tiré mon clavier vers moi et je viens de me rendre compte que j'ai. Et j'ai littéralement un rail de paillettes. J'ai envie de crever. C'est... J'ai envie de mourir. J'ai un rail de paillettes sur mon bureau. Je pourrais les sniff tellement elles sont bien alignées. Quel enfer. Garderie Zaya. Zozaya. Non. Le... Vous savez quoi? On va prendre un animal. Qu'est-ce qu'on veut comme animal phare? Voyons voir. Un animal qu'on aime bien. Le... On va mettre... Personnellement, j'aime beaucoup les girafes. Et j'aimerais bien qu'on ait des girafes. Est-ce qu'il y a des girafes en Asie? Enfin, en Europe. Non, un truc de plaine. Qu'est-ce qu'il y a dans les plaines?
Vous savez quoi? Est-ce qu'on peut les renommer? Les zoos? Je suis pas sûre. Panda ou Pandarou? Le Pandaya, du coup, ce sera. Hop. Allez. Pandaya, c'est parti. Oh, cette musique! Voilà, et du coup, pour chaque animal phare de notre zoo, nous prendrons le nom de l'animal et on mettra Aya à la fin. Voilà. Ok. Alors. Déjà, on met le jeu en pause. Voilà. Donc. Zoo. Oh putain, il y a trop de trucs. Oh merde, il y a trop de trucs. Vous avez parlé de Pandarou, j'ai parlé à Steda, bah évidemment. Évidemment, le Pandarou, c'est notre cher Steda. Alliard. Vous devez avoir au moins un centre d'échange dans votre zoo pour échanger des animaux. Très bien. Très bien. Combien on a d'argent? On a 40 000 balles. Très bien. Ça, c'est nos finances. Ça, c'est nos animaux que nous n'avons pas. Notre personnel que nous n'avons pas non plus. Services, transport, tout ça. Ok. Donc, ça, c'est chez nous. Attendez. Yeah. Eh, c'est grand, hein. Quand même, hein. On a tout ça. Hein. C'est pas mal. Alors. Construction. Non, service. Oula. Service visiteur. Ça, c'est des trucs à bouffe. Ça, c'est quoi? Ça, c'est des boutiques souvenirs. Stand de boissons, des chiottes, des informations. Entrée du zoo, c'est ça qu'il nous faut. Ok. Ah mais il y en a déjà une, ok. Je me posais la question, mais oui, du coup, il y a déjà une entrée là. Ok, donc ça c'est bon. On a une entrée déjà. Il y a des gifs d'argent sur eux. Ouais, bah attends, on va déjà essayer de faire un truc pas mal de nous-mêmes. Et ensuite, on verra. Support média et éducation. Oh, des trucs à patounes! Oh là là. Utilitaire. Température de l'eau. Traitement de l'eau. Transformateur. Très bien. Locaux du personnel. Cabane de soigneur. Atelier. Ça sert à quoi, un atelier? À réparer des trucs, probablement. Cabinet vétérinaire. Centre d'échange. Centre de recherche. Et ensuite, là, on les a, mais en plus grand. Grosso merdo, hein. Là, c'est des préfabriqués. Ok. Ok. Alors, l'idée, c'est que ça va être de faire une petite zone là, avec tout ce qu'il faut pour les soigneurs, etc. De faire une petite zone là, avec littéralement des trucs pour qu'on ait de l'argent, genre de la bouffe, des trucs comme ça. Et d'ensuite, là, de faire notre premier enclos. Ça va être bien. Il nous faut quoi, ça, pour ça? Au moins un centre d'échange dans notre zoo. Très bien. Alors. C'était pas ça que je voulais. Je voulais... construction. Pas du tout. Service. Je voulais service. Locaux du personnel. C'est-à-dire qu'il nous faut au moins une cabane de soigneurs. Voilà. Il nous faut un centre d'échange. Hop là. Déjà ça. Et en vrai, je pense qu'on va avoir besoin d'une zone de quarantaine aussi. Hop. Par contre, ça, est-ce que je peux le déplacer parce que je l'ai pas mis au bon endroit? Déplacer. Donc. Ok. Déjà voilà. Il y a des personnes qui pourront visiter le Pandaya, mais bien sûr!
Je pense qu'ils ont un petit peu copié les Sims pour la construction. Je sais pas si c'est les Sims qu'ils ont copié, mais très clairement, ce système, il est connu depuis très longtemps. Ah, et du coup, on va avoir quoi comme animaux? On pourrait avoir des buffles, des oryctéropes. Des buffles et des oryctéropes. Très bien, bah écoutez. On commencera sans doute avec des buffles. Hein. Parce que là... Là, on a pas ben le choix. Mais en même temps, des oryctéropes, il y a des mâles et des femelles. Donc ce serait peut-être pas une... Oh, attendez, mais je suis con. Il y a une autre page. Oh, délicaton ! Oh, c'est mignon. Oh, une tortue ! Il y a des tortues. Il y a des tortues ! Il y a des éléphants. Mais ça, c'est compliqué. À mon avis, ça bouffe cher. Il y a des bisons. Oh, il y a des bisons blancs. Ils sont stylés. Oh là là. Il y a encore une grosse tortue. Des bisons, des bisons. Des chameaux! Un tapir! Oh. Oh, des tapirs! Oh, un tapir blanc! Il est beau. Des tigres, évidemment. Mais les tigres, on verra plus tard parce que c'est carnivore et c'est la douille. Voilà. Il faut pas qu'on se fasse manger par des tigres dès le début, ce serait con. Putain, mais il y en a combien? Oh, mais il y en a une chier, les tigres! Oh, des varis! Très bien. Des varis, c'est chouette. Oh, un bongo! J'aime bien les bongos. Des gnous! Je veux qu'on ait des gnous, des enfants. C'est rigolo, les gnous. Hop. On est page 9, hein. Toujours plus de bongos, des bonobos. Thomas, y a toi. Des guépards, des orangs-outans. En vrai, est-ce que t'aimerais avoir tous les animaux du jeu? Je sais pas si je veux avoir tous les animaux du jeu, j'aimerais avoir un zoo qui tourne sans qu'il y ait des morts tous les deux jours. En gros, hein, c'est l'idée. Voilà. Oh, des pangolins! Oh! Venez, on prend des pangolins. C'est bien, les pangolins. Mais ils sont chers. Regardez, ceux-là, il faut des... je sais pas quoi. L'animal est adopté contre de l'argent. Il ne peut pas être relâché dans la nature. Oh, des pangolins. Et... Bon, on va revenir... On va revenir à la première page. C'est-à-dire avec des buffles. C'est bien les buffles. Ils ont une méga immunité. Zoopédie. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur eux? Voyons voir. Rien du tout, Thomas. Rien du tout. Absolument rien. Ah, c'est des trucs qui aiment pas nos biomes. Donc ce sera pas des buffles. Pangolin, je suppose que c'est pareil, ça aime pas chez nous. Hein. Attendez, on va regarder. Qu'est-ce qui aime bien la prairie? Climat tempéré. Europe. Qu'est-ce qu'il y a en Europe? Par exemple. Des flamants roses et des loups gris. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des flamants roses et des loups gris? Genre, est-ce qu'il y a des loups? Mais c'est chiant aussi, les loups. Amérique du Nord, c'est presque aussi Europe. Ah, c'est des méga mille pattes aussi. Hein. Ok. Bon. Bon. On va quand même prendre les... Ce qu'on avait dit là, j'ai perdu le nom. Oh, les pandas roués! Incroyable. Ils étaient où? Je les ai perdus. Oh, les pangolins et... Pangolins, c'est rigolo. Mais si, regardez, les pangolins, ils aiment bien. On va prendre des pangolins, je pense. Formation sur l'espèce. D'accord, état de recherche. On mange des riz et des larves, donc c'est bien. On va prendre des pangolins. Espèce en danger d'extinction critique. Ok. Donc, on va tout de suite acheter un pangolin. Hop. On va acheter... On va acheter un mâle et une femelle pour l'instant. Ok, c'est compliqué. Celui-là, il est pas mal. Celui-là,
être compliqué. Celui-là, c'est compliqué. Celui-là... Il est tout petit. Petit. Moi, je veux juste un cerf et une biche à mon nom et à suite Kaven. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, ça viendra. Tu feras moins la maline la prochaine fois qu'on se verra. Bah justement, je profite. Pangolin, c'est plus pour la Chine, clin d'œil. Non, mais je sais. Mais j'aime bien les pangolins. Je trouve ça rigolo, un pangolin. On avait dit déjà, on va l'adopter, elle. Parce qu'elle est pas trop mal. Ça, c'est terrible. Ouais. On va l'adopter. Ch'tonk. C'est adopté. Déjà, on a un pangolin femelle. Il nous faudrait un pangolin mâle. Ce qui vaut mieux, quelqu'un qui a pas de fertilité. Quelqu'un qui a une longévité moyenne. Quelqu'un qui a une longévité moyenne, je pense. Ok. On a deux pangolins, déjà. T'as quand même beaucoup de choses à gérer. Oui, c'est vrai, mais ça va le faire. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Alors. Construction. Il nous faudrait... Est-ce que c'est possible d'avoir des routes? Oui, désolé. Superbe. Déjà, on va faire... file d'attente. Allée employée. On va faire une allée employée. Comme ça. Qui va rejoindre une grande allée. Non, mais ta mère! Qu'est-ce que... C'est trop chiant, cette technique de construction. Attendez. Comment je fais pour y péter? Supprimer l'allée. Ok. Donc. Hop. Ch'tonk. Et on va faire rejoindre l'allée pour nos employés. Ch'tonk. Voilà, déjà là, nos employés peuvent faire des choses. C'est une bonne chose. On n'a pas d'employés, c'est pas grave, mais nos employés peuvent faire des choses. Ensuite, on va créer des trucs qui nous font du fric. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Genre des stands de nourriture. Parce qu'il nous faut du fric. Il faut savoir rentabiliser les choses. Hop. Vous inquiétez pas, on refera ça après, ce sera moins moche, c'est promis. Hop. Un truc de boisson aussi. Allez. Petit truc de boisson à côté. Puis on va y foutre des chiottes. Petit chiottes. Et bien sûr, une boutique souvenir. Parce qu'il faut se faire du fric. Boutique souvenir qu'on va mettre de l'autre côté. J'aimerais qu'elle tourne cette boutique souvenir. C'est pas moyen. Elle veut pas. Ah. Ok, c'est bon. Ch'touk. Petite boutique souvenir. Juste là. Là déjà, on a moyen de se faire du fric. Hop. Ça c'est fait. Putain, y a rien les pauvres, y a déjà une allée, ils vont devoir raquer de fou. Et ensuite on va faire un tout petit enclos. Alors, clôture. Clôture. Qu'est-ce qui coûte pas très cher? Des pangolins, c'est pas hyper résu... Enfin, c'est pas hyper... Ça peut être escaladé, mais les pangolins, ça escalade pas. On va dire que les pangolins n'escaladent pas.
Hop. Donc on va faire un petit truc. Comme ça. Comme ça, on va pas le faire très grand, premier enclos. Hop. On va même pas le faire carré. Hop. Il faut que ce soit plus petit, ça. Hop. Ch'touk. Et là, on va retourner jusque là-bas. Voilà. Ce sera notre premier enclos. Voilà. Ensuite, faut qu'on foute du verre. Genre à la place de ça. Hop. Ch'tonk. Là, on a du verre. Fantastique. Ensuite, on va remettre... On va remettre des allées, une allée plus longue, pour aller jusqu'au bout quand même. Hein. Histoire que les gens ils puissent voir l'enclos. Voilà. Donc. Et bien sûr, comme on nous a appris, on va y foutre une boîte à dons, parce que nous on aime l'argent. C'est dans quoi ? Service peut-être ? Information. On peut y mettre un petit panneau d'information, ça peut être pas mal ça. C'est une plaquette au sol, c'est quoi? Écran. Je sais pas comment ça marche les trucs. On verra plus tard. C'était rangé dans quoi les... Les boîtes à dons, c'est ça une boîte à dons? Non, chauffage de terrasse, rien à voir. Je voudrais une boîte. Attendez, dans tout ça. Une boîte. C'est pas dans service? Construction. Une boîte. À tous les coups, c'est parce qu'il y a un putain d'accent circonflexe. Donnez-moi une seconde. Ah, je le savais! PF, une jolie boîte à dons là! Bien! Superbe! Et attendez, parce qu'on n'a pas mis de porte. On n'a pas mis une petite porte pour nos soigneurs en fait. On va la mettre là. C'est bon, ça rejoint la. Là, ça rejoint. Superbe. Ch'tonk! Ok. On a une porte. Putain, il y a une portée. Bisous Arfex, à demain. Ok. Donc là, techniquement... Techniquement... Merde, il nous faut une salle de personnel. Regardez. Je compte. On a une salle du personnel, vous n'avez rien vu. Par contre, ces deux-là sont pas au bon endroit, ils sont pas reliés à la route. Ça va être complexe. Ch'touk, voilà, c'est relié à la route. Superbe. Ok. Ça, c'est bon. Centre de recherche et cabinet vétérinaire, ça, on verra plus tard. Alors, si je mets sur play. Si je mets sur play. Il faut peut-être que je fasse venir bosser des gens chez moi. Zoopédie, chronologie, défi. Comment je fais pour engager des gens? Panneau d'affichage, caméra, finance, animaux, personnel. Si j'ai des vendeurs, super. Recrutement, ah, super. Je voudrais... Engager un soigneur. Ch'tonk. Superbe. Et du coup, j'aimerais que ce soigneur... Il chope mes animaux en attente. L'animal ne peut pas être lâché dans la nature, ça je m'en doute. Envoyé dans le zoo. Ch'tonk. Hop, envoyé dans le zoo. Ch'tonk. On a des pangolins, les potes!
On va leur mettre ce qu'il leur faut après, vous inquiétez pas. Comment ça? Oui, mais ils sont pas malades ou blessés, mes animaux aussi, déjà? Bon. Bon. On va leur mettre un truc de veto. Oh putain, c'est gros. Hop. On va y mettre un sol. Hop. Une allée pour employés qui fait ch'tonk. Oups. Oups, oups, oups. Oups. Oupsie. Oupsie. Ça, ça tège. Ah, voilà. Vous inquiétez pas. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non mais... Pourquoi ça se raccorde tout seul? Au secours. Mais au secours. J'ai des problèmes. Je... Attendez. Pente d'aller, pente courbe. Au secours. Parce que c'est compliqué là. En fait. Moi j'aimerais juste un truc qui... Moi je veux juste une putain d'allée. Secours, le jeu il veut pas me donner une allée. J'ai toujours dit que t'avais des problèmes, mais je sais que j'ai des problèmes. Ça date pas d'hier que j'ai des problèmes. Ok. Ok. Comment ça obstruction? Comment ça obstruction? Merde. Ah putain, je perds de l'argent avec ces bêtises en plus. Alors attendez. On va remettre sur pause. On va prendre ça là. Est-ce que je peux tout sélectionner? Oui, je peux tout sélectionner. Hop, j'y déplace. Voilà. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça, on y décale là. Voilà. On se refait notre petite allée. Bon, voilà. Mais pourquoi c'est de la merde comme ça? Pourquoi ça veut absolument aller faire des câlins à la vitre? Je veux pas que ça aille faire des câlins à la vitre. Aligné sur la grille. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non? Mais pourquoi ça me fait des... Quelqu'un m'explique c'est quoi cette merde? Pourquoi je viens de faire un escalier, au secours? Bord carré, non? Plein de terrain, tunnel, support d'allée. Je veux pas de support d'allée. Si, peut-être. Au secours! Pourquoi ça me... Pourquoi? Pourquoi ça me fait ça? À l'aide? Juste au secours en fait. Mais pourquoi ça me fait un machin qui va en l'air? J'ai pas envie que ça aille en l'air. Je demande juste une putain d'allée. Pourquoi ça se raccorde? Je veux pas que ça se raccorde. Ça me pète les nions que ça se raccorde. Y'a pas un moyen d'enlever le raccordement automatique avec les entrées, les trucs comme ça. C'est super chiant en fait. Si je fais comme ça. Non, ça veut absolument me mettre un... Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça tient absolument à me mettre une échelle? Il y a un truc que je comprends pas. Hein. Probablement. Qu'est-ce que je comprends pas? Si je me mets plus loin, est-ce que ça veut absolument me faire des échelles aussi? Oui, ça veut absolument me faire des échelles. Mais pourquoi? Sur quoi j'ai cliqué? Secours. Allez. Non, allez, juste. Commande des allées. Ajuster la hauteur. Mage et ça. Ok, mais ça je m'en fous. Enlever l'aperçu d'allée. Non.
Baisser l'allée. Ah! Ah, bonheur. Oh Dieu, merci, il y a les tutos. Ok. Superbe. Donc du coup... Non, toujours pas. Hein. Ok. Ok, donc on est bon. Ça y est. Ça y est, ça marche. N'ayez pas peur. Ça prend juste un peu de temps parce que je suis un peu con, mais vous inquiétez pas. Non. Non. Ok. Putain. On y arrive. On y arrive, c'est bon. Ça tège. Ok. Ça, viens avec moi. Et j'tonk. Tout ça, ça se raccorde. Ça, ça vient avec moi. Et j'tonk. Superbe. Est-ce que la porte s'est raccrochée aussi? Oui, la porte s'est raccrochée. Enfin, je crois. Je crois. Ok. Ok. Donc, normalement, là on est bon, ça marche. Ok. Est-ce qu'il va aller chercher dans Pangolin, là? Pourquoi? Pourquoi tu veux pas? T'as pas accès à la porte? Si, peut-être. Je pense qu'il a pas accès à la porte. Alors attendez. Pourquoi tu n'as pas accès à cette porte? Cette porte, elle est sublime, pourtant. Clôture. J'aimerais supprimer cette porte et remettre une porte. Regardez ça. J'tonk! Là, on peut pas me dire qu'il n'y a pas d'accès à la porte. Je veux plus rien entendre. Est-ce que maintenant... Maintenant, t'es capable d'aller me chercher les animaux et de les mettre dedans? Allez. Allez. Oh putain, il y va. Oh, j'y ai cru. Pourquoi tu veux pas... Pourquoi il veut pas mettre nos pangolins dans le... Échange d'animaux. Animaux en attente. Source aux frontières. Et moi je veux bien, mais... Mais envoie-les dans mon zoo. S'il te plaît. Déplacement vers Habitat 2. Mais bien sûr. Viens. Envoie-moi les bêtes. On va voir si elles arrivent. S'il y a quelqu'un qui veut bien. Oui. Non. Il va faire une pause déj. Putain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais donnez-moi mes animaux, merde! Zo n'a pas de vétérinaire. Est-ce que c'est parce que j'ai pas de vétérinaire? Mais si, j'ai un vétérinaire. Ah, j'ai peut-être pas engagé de vétérinaire. On est en train de perdre de l'argent à une vitesse folle. Zo. Personnel. Vétérinaire. Ça se trouve, c'est un vétérinaire qu'il faut pour ramener des animaux. C'est pour ça qu'on les attendait. Ah, probablement, oui. Ok, c'était un animal qu'il nous manquait. Enfin, c'était un vétérinaire qu'il nous manquait. Très bien. Et là? Et là? T'es mains, on a un putain de pangolin. L'inspectrice arrive dans 24 mois? Qu'est-ce que c'est cette merde? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, regardez-moi ce petit pangolin. Ce petit pangolin trop mims. Regardez-le qui vadrouille. Ah. Oh. On a des petits pangolins. Ok. Donc, maintenant qu'on a des pangolins, il faut qu'on leur fasse un habitat à peu près... à peu près bien, quoi. Déjà, il faut qu'on leur fasse un abri. Construction. Non, habitat. Je voudrais un abri préfet, parce que là, tout de suite, un peu la flemme. Oh, mais c'est énorme. J'ai pas un truc plus petit. 4 par 4. C'est bien ça. Ouais. On va dire ça bien, ouais. Hop. On va le mettre. Comme ça.
Ch'tonk. Petit abri. De quoi ils ont besoin, les pangolins? Terrain. Ils ont besoin d'herbes courtes et de terre. De plein de terre. Où est la terre? De la terre partout. Brouh. Brouh, la terre. De la terre absolument partout. Voilà, toujours plus de terre. Sur plus de terre, on aura bientôt plus assez d'herbes courtes. On a plus assez d'herbes courtes. Hop. De l'herbe courte par là, par là. Par-ci, par-là. Tout là où il y a de l'herbe longue, on va mettre de l'herbe courte. Ok. Déjà, Habitat. Ils sont contents. Ça, on est bien. Ensuite, il leur faut bien évidemment à boire et à manger. Ça mange dans quoi, ces bestioles? Des auges, des cages à nourriture, des grands abreuvoirs, des mangeoires plateaux, mangeoires sous-marins. Des IQL? Probablement des mangeoires. Enfin, des auges. On va mettre une petite auge. Genre. Par là. On va mettre un abreuvoir. Genre, par là. Bien à côté de la boîte à dons. Parce qu'après tout, on aime l'argent. Plateforme de nourrissage. Ah non, c'est peut-être ça. Ok. Ça, c'est pourquoi. On va vérifier, hein. Parce que j'avais pas vu, mais en fait, juste sous ma gueule, c'est écrit pour quel animal c'est. Tortue géante, facochère, springbrook. C'est pas pour nos animaux, ça? Attendez, mangeoir plateau? Est-ce que c'est pas plutôt ça qu'il faut? Bongo, bonobo, crocodile, flamant rose, loup gris, onyx, panda, pangolin, putain, c'est un truc comme ça qu'il leur faut. Ok, donc on va virer l'auge. Hep. Très bien. Ils sont deux, on va juste leur mettre un petit plateau. Voilà. Et on espère que l'écuelle... Non, c'était pas l'écuelle? Si, c'était une écuelle. Si, c'était une écuelle qu'on leur avait mis. L'écuelle, ça marche pour les pangolins, c'est superbe. C'est bien une écuelle, hein. Non, c'est un grand abreuvoir, c'est pas une écuelle. On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Donc une écuelle, on a dit. Pangolin, tout à fait. Ch'tonk. Ok. Et ensuite, optimisation. Optimisation. Qu'est-ce qu'on a? Genre... Dans les jouets? Rien du tout. Perchoir. Oh, peut-être. Est-ce que ces bestioles, ça aime les perchoirs? Pas sûr, hein. Ah, mais pas trop, hein. Pas trop, hein. Ok. Donc c'est triste, c'est vide. Mais au moins... Ça marche. Ça, il me manque quoi? Il vous faut un atelier et un centre de recherche. Ouais, bah ça attendra. Oh, regardez, il y a des gens, ils viennent! Oh, venez claquer votre fric, allez-y! Regardez, là, ça claque du fric. Oh, j'ai vu. Oh, je vois, ça claque du fric. Oh là là. Attendez, pourquoi j'ai qu'un seul employé? Pourquoi les autres trucs, ils sont pas ouverts? J'ai deux employés. Mais là, c'est quoi? Merci Véchu. Pourquoi j'ai pas d'employé là-dedans? Zone de travail radio activée. Pas de vendeur. Il n'y a pas assez de vendeurs ou le vendeur actuel se repose. C'est quoi ces vendeurs qui se reposent? Non mais sans déconner. Regardez! Ils viennent voir mes pangolins! Putain mais ils sont nombreux en plus, c'est con. Oh là là! Incroyable! Incroyable! Alors, il va falloir qu'on mette de la lumière quand même un peu. Spectris arrive dans 11 mois, bah très bien. Il va falloir qu'on mette de la lumière parce qu'on y voit Pouic.
Éclairage. Pour mettre un éclairage, il nous faut... il nous faut... Genre ça. Genre un transformateur. C'est pas mal, un petit transfo. Hop. On va se faire un autre chemin qui va longer là le long du... Le long de ça. Hop. Hop là. Très bien. On va mettre les services qui nous manquent. C'est-à-dire un centre de recherche. Un peu mignon quand même, le centre de recherche, il faut bien se l'avouer. Hop, et un atelier. Voilà. Et ensuite, on va mettre ce magnifique transfo. Qui faut qu'il touche la route, hein, il me semble, le transfo. Faut qu'il soit relié. On est relié, là, comme ça? Ça relie pas, la route. Là. Là, ça relie à la route. Ok. Merde. Merde. On va y arriver. Vous inquiétez pas. Hop. Là, on est relié à la route. Superbe. Putain, on a de l'électricité, les enfants. Et ça, c'est chouette. Donc, qui dit électricité, dit on va pouvoir mettre de la lumière. Genre des lampadaires. Hop. Et si on arrive à les mettre bien. Ch'tonk. 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 Et ch'tonk. Incroyable. Incroyable. Et là maintenant, on se fait de l'oseille. Ah. Bénéfice Toto, on est dans la merde. Ok, c'est bon. C'est bon, l'argent rentre. L'argent rentre, les enfants! Ah putain, c'est beau. Graphique. Ça va. En vrai, ça va. Ça, c'est des emprunts, ça, c'est du marketing. Ok. Peut-être pas faire de marketing maintenant, y'a pas besoin. Comment ils vont, mes petites bestioles, là? Optimisation. Optimisation alimentaire. Optimisation ludique. Très bien. Très bien, habitat. Optimisation alimentaire. Bah ouais, mais j'ai pas d'optimisation alimentaire pour ces bestioles. Parce que attendez. Tout ce qu'il veut en alimentation et tout ça, mais... attendez. Encyclopédie. Optimisation. Non, je peux pas voir là-dedans. Très bien. Bon bah, ils auront pas d'optimisation pour l'instant. Écoutez, sinon ils sont parfaits, regardez. Regardez, tout est parfait, leur bien-être est fantastique, ils sont contents. Ils sont contents! Qu'est-ce que vous voulez faire? Regardez, en plus tout le monde les aime. Regardez ça. Tout le monde les aime. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et même des gens, ils les prennent en photo. Ah! Ah! Alors par contre, c'est quoi ces trucs? Inefficace, bah, superbe. Superbe, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Joueur en visite. Hey, il y a un joueur qui nous visite. Bonjour. Je ne sais pas qui tu es, mais bienvenue. Hop. Ch'tonk. Incroyable. Ah, putain, on est où? Secours. 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 Ah. Hey, coucou, Ogara. Comment ça va? Ça fait longtemps, dis donc. Oh là là.
Comment tu vas? Ça fait longtemps que t'es pas venu par là. Dis. Parce que nous, ça va bien. Nous, on est contents. On commence à faire des trucs à peu près cohérents. À peu près. C'est compliqué. Oh! Tu lurks. Tu lurks et même pas tu mets un point d'exclamation lurk pour qu'on puisse te dire bonjour. Terrible. Terrible. Est-ce qu'il y a d'autres pangolins qui sont en bon état? On va adopter celui-là peut-être. Mais je sais pas ce que c'est cet argent bizarre. Ça. Vous pouvez gagner des crédits de préservation de façon suivante. En relâchant les animaux dans la voiture, en vendant dans la voiture. La voiture. Peut-être je vais m'allonger, je suis out. Y'a pas de soucis, Lauriane. Bisous. Je suis content, j'ai vomi. Oui, c'est vrai, mais évite de vomir partout, c'est cracra. Terminant les défis de communauté, saluant les aviateurs qui visitent votre zoo. D'accord. Ok. Elle reste en lurk, la petite dame. Lui, il a une immunité de merde, donc c'est non. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Et après, les autres, ils coûtent trop cher. Ça, immunité dégueulasse. Ah, ça, bonne immunité, mais longévité et fertilité, c'est dégueulasse. Compliqué. Mais c'est quoi, ça, un zoo qui prend seulement des animaux en bon état? Écoute, c'est notre première partie, c'est le début. Voilà. Ça veut dire qu'on prend pas les cochons de Corée du Nord, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont, les cochons de Corée du Nord? Moi, j'aime bien les cochons, je trouve ça rigolo. J'aime beaucoup. Comment ça, on perd de l'argent? Attendez, samedi, on perd de l'argent. Comment ça? Comment ça, finance? Comment ça, je perds de l'argent? Non! Je gagne 1000 balles. Ça va. Ça va. Ils sont pas dans un bon état, les cochons de Corée du Nord. Terrible. Moi, j'aime bien ça se mange, le cochon. Non, mais on est d'accord. Vous me donnez faim avec vos conneries. Alors, est-ce que ce serait pas le moment d'adopter un nouvel animal? Genre, qu'est-ce qu'on a, là? On a des buffles. Les oristéropes, là. Moi, je trouve ça rigolo, ces trucs-là. Oh, puis, oh, ouais, celui-là, il est goldé, mais il coûte cher. Je peux pas l'acheter. Lui, il est en mauvais état. Lui, il est en mauvais état. Mais c'est terrible. Ils sont tous à moitié pétés, c'est quoi ces animaux? Oh, des éléphants. Je peux pas les adopter, les éléphants, ils coûtent cher. Lycaon, il y en a qu'un seul. Filtre. Mâle, femelle, je m'en fous. Âge. 58 ans, la tortue. C'est bon pour vous? Un cerveau d'élite, loading choke, en bon état. Ah, en bon état, mais putain, mais je... Oh, je viens de comprendre. Oh, je viens de comprendre. C'est horrible ce que tu viens de faire. C'est absolument terrible. Ah là là. Qu'est-ce qui attrait le plus? Les lions. Mais on n'a pas de quoi payer des lions. C'est quoi le premier truc qu'on a de quoi payer et que... Parce que là, il y a des lions, mais... C'est-à-dire que les lions, on peut pas les payer, quoi. En fait. C'est compliqué, quoi. Chimpanzé, mais on n'a pas de quoi le payer non plus. Je suis un amour voyant, mais bien sûr. Bien sûr que t'es un amour. Filtre. Entrer en argent, parce qu'on n'a pas de point de préservation. Voilà. L'hippopotame. Oh, des hippopos. Oh là là. Mais eux aussi, ils sont tout pétés, là. Regarde-moi cette immunité, elle ressemble à rien. En vrai. Attendez. On va mettre sur pause une seconde. Que dit la zoopédie? Hippopotame. Hippopotame. Il leur faut de la flotte, les hippopotames. Hein. Faut un terrain de 1000 mètres carrés. Faut pas d'escalade. Mais faut 1000 mètres carrés de flotte. Très bien.
Très bien. Est-ce qu'on veut vraiment des hippopotames? Des péripatéticiennes, ça doit coûter moins cher. Oui, c'est possible. C'est possible, malheureusement, on peut pas adopter des putes. C'est compliqué. Des mandrilles, c'est rigolo. Oh, des ours! Oh. Mais y a que des mâles dans les ours noirs. Les grizzlies, y a une femelle? Y a une femelle et un. Oh, y a des mâles. Est-ce qu'on adopterait pas des grizzlies? On a 10 minutes pour adopter des grizzlies. Habitat naturel. Ok, ils ont pas besoin d'eau, ne rien. Moins 10 à 28. Anti-escalade niveau 4, il faut que ça fasse 2 mètres de haut. On va prendre les grizzlies. On va prendre les grizzlies. Non, il était avant le grizzly. Ah non, ils sont plus là les grizzlies, vous foutez de ma gueule? Ah si, quand même. Donc, on va prendre ceux qui ont la meilleure immunité, d'accord? Parce que, ouais, mais il nous faudrait au moins un mâle et une femelle. Hein. Parce que c'est les deux mâles qui ont... Écoutez, lui on l'achète. Et on va acheter elle. Tant pis, elle a une immunité de merde, mais elle a une bonne fertilité. Voilà. On a des grizzlies. Super. Bah, on va faire un enclos pour les grizzlies. C'est parti. Alors. Clôture. On va mettre des trucs qui déconnent pas. C'est-à-dire des vrais murs. Peuvent être escaladés. Non. Trucs qui peuvent pas être escaladés, genre ça. Oh, de la tôle. Terrible de la tôle. Niveau de résistance 5. On est bien. On va faire à partir de là. Chlouk. Faudra qu'on enlève les poteaux lumineux parce que c'est dégueulasse. Hop. On va pas le faire trop grand non plus, hein. Parce que bon. C'est certes des grizzlies, mais. Mais bon, quand même. Tu arrives à gérer ton budget dans le jeu? Bah, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on tient. On verra un peu plus tard, mais. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Après, c'est pas le premier jeu de gestion que je fais, hein, donc. Pour l'instant, tout va bien. Ok. Il nous faut... Les vitres. Niveau de résistance 3. Ils avaient pas dit qu'il fallait niveau de résistance 4. Ok. Bon. On va quand même mettre du verre, hein, parce que sinon jamais ils les verront, nos animaux. Et puis après, on va prier. Fort. Ok. Ch'tonk. Voilà. Merde, on a mis de l'invisible. On n'a pas mis du verre. Si, c'est bon. Voilà. On va y monter à un peu plus de 2 mètres parce que j'ai pas confiance. C'est-à-dire genre... 3 mètres. Ça a monté le reste aussi? Non, ça a pas monté le reste. T'inquiète, j'en ai fait beaucoup aussi, mais celui-ci est particulièrement chiant puisque les visiteurs perdent rapidement de l'intérêt. Ah, bah je savais pas. J'apprends. J'apprends. Merde! Comment je fais pour y sélectionner plus vite déjà? Info, clôture. Mode hauteur, ça je m'en fous, aligné. Fenêtre. Fenêtre et surface anti-escalade. Est-ce que vous êtes en train de me dire que le vert ça s'escalade et que je vais avoir des ours qui vont se balader au pif? Ouais, c'est possible, ouais. Ouais, ouais, je... Ouais. Ouais,
Merde. Je peux pas faire des CTRL Z dans le jeu. Non. Bon, on va tout monter après tout, c'est pas grave. Hein. Hop. 2m70, c'est bien, 2m70. Ouais. Hop. Hop. Est-ce que je peux décaler ces trucs-là? Non, j'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. Voilà. Hop. Je voudrais les décaler, genre, par là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous êtes d'accord tous les trois pour être décalés un peu? Oui, superbe. Ch'tonk. Parce que là, il nous faut une allée. Qu'est-ce que... Au secours. Au secours. Non, merde! On a fait des bêtises. J'ai fait des bêtises? Non mais j'ai fait des bêtises. Non mais je vous comprends les gars, n'ayez pas peur, hein, mais j'ai fait des bêtises. En fait. Secours. Non mais je comprends que vous ayez peur, en vrai. Ne vous inquiétez pas, hein, je comprends. Bonjour X-Files, bienvenue. Avec ta petite flèche, tu sélectionnes tout. Quelle petite flèche? Cette là, petite flèche? Faut savoir que je suis une grosse merde, hein, quand il s'agit de construire des trucs et tout ça, ça prend toujours un temps fou. Dangereux les ours. T'as une flèche de retour en bas. J'ai une flèche de retour en bas. Oh putain, ouais. Ah, superbe. Superbe, merci beaucoup. Hop, et du coup, là... Il me faudrait un truc qui va par là. Évidemment. Évidemment. C'était sur l'enclos. Oui, bah du coup, ça va me servir. Ne t'inquiète pas. Tu m'as dit, avec ta petite flèche, tu sélectionnes tout. Avec la petite flèche, je sélectionne tout. Modifier la clôture. Avec la petite flèche. Avec ça? Oh, wow! Oh, c'est pratique. Ok. Maintenant, on va le déplacer un peu par là. Ch'tonk. Histoire qu'on puisse se faire une petite allée. Voilà. On va y arriver. Et bah, merci beaucoup. C'est très gentil de donner des petits tips comme ça. Parce que vraiment, je suis une quiche. Hein. Faut pas vous en faire. Faut pas avoir peur. Tout va bien se passer, je vous le promets. Hein, mais je suis une grosse merde. Voilà. On va pas... Même pour gérer la caméra, je vous avoue que je suis pas la plus douée. Hop. Donc, on a ça. Il nous faut donc une porte. Hop. Une entrée habitat. Entrée habitat en vert. Entrée habitat. Je suis l'entrée habitat. Ch'tonk. On a tous débuté. Bah ouais. C'est la première fois que je joue au jeu en plus, donc... Donc voilà. Soyez indulgents. Monsieur, les animaux ils vont survivre, ça va. Par contre, du coup, j'ai peur pour les fenêtres là. Parce que. Est-ce que c'est des trucs où on va être dans la merde parce que les ours ils vont passer par-dessus? Peut-être! Peut-être. C'est possible. Alors, maintenant qu'on a ça. Maintenant qu'on a ça. On a nos petits animaux là. On va envoyer dans le zoo. Ch'tonk. Ch'tonk. Là là. Oh attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc excessivement important. C'est-à-dire qu'il nous faut une boîte à dons. Parce que nous ici, on aime l'argent. Tu pouvais le mettre dans les murs, il y a une option. D'accord. Eh ben, on verra ça pour le prochain enclos, du coup. Ok. Alors. Zébardi. Oh, il va le chercher, je l'ai vu. Regardez. Regardez, là, il y a notre grizzly, là. Et bien. Oh, putain. Grosse boîte. On a un grizzly. Oh, attendez. Petite pause.
Regardez la bête. Oh là là. Regardez-moi cette créature. Exceptionnel. Ce petit cul de grizzly. Exceptionnel. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est trop beau, ça. Ok. On est reparti. Alors, monsieur Grizzly, il a besoin de quoi? Parce que son habitat, son terrain, c'est de la merde et il lui faut un abri solide. On va lui mettre un abri solide. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont bien faits, les animaux, vraiment. Non, mais on est d'accord, c'est incroyable. Vraiment, c'est trop chouette. Hop, habitat. Couchage et abri. On va leur mettre un abri... Putain, ils sont énormes, ces abris. Un abri classique, un 4x4. Non, c'est petit. Ça, c'est tout petit. Ça, c'est immense. Pas de l'entre-deux, mais on va partir sur ça. On va les mettre là, dans le coin. Ch'tonk. Ok. Déjà, on a un abri. Ensuite, la bouffe. Dans quoi ça mange, un grizzly? Grizzly, pas dans ça. Cage à nourriture. Ça, c'est pour les girafes. Conduite d'eau. Qu'est-ce qu'il veut des conduites d'eau? Ah, les grizzlies, ils font des conduites d'eau. Ils veulent pas des abreuvoirs? Si, ils veulent bien des abreuvoirs, les grizzlies. Bonjour, Laura seulement. Salut, salut, tu peux mettre des panneaux éducatifs, ça informe les visiteurs sur les animaux, ils aiment bien et ça augmente le prix. Mais fantastique! Alors attends, on finit ça. On finit les abreuvoirs, la bouffe, tout ça, leur habitat. Et on met des panneaux informatifs. Hop. Dans quoi ça mange, ces bestioles? C'était un abreuvoir, ça. Mangeoire plateau. Grizzly, il mange dans les plateaux. Superbe. Ch'tonk. Très bien. Voilà. Voilà. Optimisation. Je peux rien leur mettre en optimisation à eux non plus. À moins que les grizzlies, ça aime les perchoirs. Les grizzlies, ça aime les perchoirs. Bien. Très bien. Foutons-y des petites plateformes. Ils seront contents, voilà. Ok. Ça, on est bon. Si on met bon, on est bon. Terrain. Si tu veux un conseil, tu peux créer une grotte rapidement. Juste une colline et après tu poses un truc de couchage à ras-le-sol. Ça creuse direct. Tu files dessus à ta façon. D'accord. Tu peux mettre des filtres avec des animaux avec le petit entonnoir. D'accord. Vous me donnez tellement d'informations. Vous êtes mignon, merci. C'est adorable. Vraiment, c'est adorable. Terrain. Configuration du terrain totalement inadapté à cet animal. Ah. Ah. Terrain. Il veut pas d'herbe longue. Il veut de l'herbe courte et de la roche. On va lui mettre de l'herbe courte déjà. C'est-à-dire qu'on va virer tout ça là. Virer toute cette herbe longue. Vous inquiétez pas, c'est qu'un début. Je sais que pour l'instant c'est super moche de partout. Mais viendra le temps où ce sera mieux. Bon, je vous aime, mais je dois aller dodo. Ça fait littéralement 3 jours que je suis debout. Comment ça? Ogara va dormir. Bon, faut. Je suis fan du jeu, j'aimerais bien aider, mais je laisse faire aussi pour découvrir. On apprend pas par soi-même. C'est vrai, c'est très gentil en tout cas. Si t'as des petits conseils, des petits tips, n'hésite pas. Hein. On avait dit de la roche. Genre du caillou, là, comme ça. Genre plein de cailloux, waouh. Il fout des cailloux un petit peu partout. Un petit peu partout, là. Du caillou. Encore plus de cailloux. On va y foutre un petit peu de terre aussi. Un petit peu de terre. Hop. Il y a encore des herbes longues samedi? Où ça? Par là peut-être. Ouais, là il y en avait. Ok. Finir de virer les herbes longues. Elles sont où les herbes longues? Quelqu'un voit encore des herbes longues? Hop. Est-ce qu'il y a des herbes longues? Peut-être par là? J'essaie de voir. Je suis pour rien, c'est la somnie. Mais c'est terrible, l'insomnie. C'est...
Va te coucher. Lis un bouquin, fais quelque chose. Bois une tisane. Hop. Putain, on est à 11 et il nous faudrait 10% pour passer dans le vert. Allez, peut-être. Oh putain, et du coup on a trop de terre. On va mettre un peu plus de roche. Ah là. Là on est bien. Pour boire les petits trous d'eau c'est mieux et ça fait plus naturel. C'est vrai. C'est vrai. Mais pour l'instant, je t'avouerai que le but c'est juste d'être rentable. Et ensuite on améliorera et on fera des trucs plus jolis. Voilà. Pour l'instant, soyons rentables. Faisons en sorte que ça marche. Que nos animaux soient bien traités. Regardez-moi ça, comment ils sont mignons, ces petits pangolins. Oh là là. Ils sont choux, quand même. Quelle heure il est ? Ah mais il est déjà 22h ! Ah non, mais c'est terrible, en plus, ça va être l'heure où on est censé arrêter. Oh là là. Bah en une soirée, on a fait quoi ? On a fait 2 enclos ? C'est pas mal. On a fait le tutoriel et 2 enclos. J'ai bu mon cacao, t'as l'air gros, le grand enfant que je suis. Mais c'est trop bon le cacao. Oh là là. C'est trop trop bon le cacao. Alors ça me fait chier parce qu'on va devoir s'arrêter. Mais sachez que ce jeu est trop bien. Donc on le refera mardi prochain. Voilà. Mardi prochain vers 19h30 comme d'hab. On rejouera à ce jeu parce qu'il est trop trop bien. Voilà. Et puis peut-être que sur un malentendu, on trouvera des pandas. Sur un malentendu. Mais regardez-les comme ils sont mignons. Ils se dandinent. Oh. Ils se dandinent. Puis on leur fera des enclos un peu plus sexy parce que là, vraiment, vraiment, c'est dégueulasse, quoi. C'est... Je suis à plus de 5000 heures de jeu, on devient vite accro, mais quel enfer. Terrible. Terrible, terrible. Bon alors, est-ce que niveau fric, on est rentable? On est à peu près rentable. Moi, ça me va. Tant qu'on est rentable, ça me va. Les animaux, ils vont bien. Donner des contraceptifs. Oh, on peut faire ça aussi. Mais trop. Mais attends, mais ce jeu est complet, c'est terrible. Comment ça, pas de zone de travail? Mais si, t'as une zone de travail. Recherche vétérinaire. Oh, on peut faire des recherches. Mais trop bien. Pangolin, qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche? Optimisation alimentaire. Mais oui. Mais comment ça marche, les recherches? Je veux faire des recherches sur les pangolins. Parce qu'ils n'ont pas d'optimisation alimentaire pour l'instant et c'est la baise. Vivarium rapporte beaucoup d'argent au début, ça reproduit très vite. D'accord. Bah la semaine prochaine on fera un vivarium alors. Comment je fais des recherches sur ces bestioles? Origine sociale génétique. Non. Optimisation. Optimisation peut-être. Non. Général. Terrain. Peut-être pas là-dedans. Peut-être qu'il faut que je clique sur ça. Inefficace. Bah superbe. Fichier les recherches vétérinaires, créer une nouvelle zone de travail. J'essaie de comprendre comment ça marche. Hein. Retourne dans ton tableau, tu cliques le veto à côté. Dans mon tableau. Attends. Pause. Déjà, voilà. Déjà, on se fait des points. Ça, c'est quoi? Votre zone n'a pas d'agent de sécurité, mais mon Dieu, mais... Il nous faut un agent de sécurité. Agent de sécurité. Ch'tonk. Il nous faudrait peut-être un agent d'entretien aussi, ça pourrait être une idée. Hop. Question, recherche. Recherche vétérinaire, grizzly, c'était ça. Non, c'était pas les grizzlies qu'on cherchait. C'était les pangolins. C'était ça? Non, c'était pas ça. Là, c'était juste pour voir. Aucun. Ah! Accéder à la zoopédie. Non? Recherche? J'ai l'impression d'être con. Excusez-moi, hein, mais.
Niveau de recherche, aucun vétérinaire à signer. Clic gauche. Ah non, sur l'animal. Attends, où est mon pangolin? Là. Ok. Si c'était là? Putain, attends. On va y arriver, on va le faire doucement, t'inquiète, on va y arriver. Non, c'est pas ça. C'était ça. Recherche, ok. Ah putain, d'accord! J'ai compris! On est bon, j'avais pas vu qu'à gauche il y avait écrit les vétérinaires. C'est bon. On est bon. Ah putain! Oh, et du coup, il y a plein de trucs! Waouh! Variole du singe, tétanos, sarme, péritonite infectieuse féline, morve, superbe. Ok! Eh ben, on est good. Du coup, nous, on va s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quantité de détritus élevée. Qu'est-ce que je peux y foutre? Je peux y mettre des poubelles, genre? Ignorer le mode alerte? Non, bah non. Non, mais il y a des gens qui s'en occupent, non? Y a pas... Genre, je peux pas y mettre des poubelles ou un truc comme ça? Poubelle? Non, y a pas. Service, peut-être? Est-ce que dans les services, on peut trouver des poubelles? Oui, on peut trouver des poubelles. Poubelles de recyclage et poubelles. Alors, ils foutent des poubelles, quand même. Genre, touc. Je voudrais y mettre une autre poubelle. Là. Superbe! Ça part des nouveaux trucs de construction. Recherche bâtiment. Ok. On va rechercher les bâtiments aussi. Et ensuite, je m'en vais. Ensuite, je vais dormir. Action, automatisme, boutique, souvenir. Putain, mais il y a plein de trucs. Ah, mais j'ai pas de mécanicien. Ah, il va nous falloir un mécanicien. On va adopter un mécanicien. Personnel. Je tonque. Voilà, on a un mécanicien. Donc, on a un mécanicien. On va faire... Habitat, peut-être. C'est pas mal, Habitat. Non, clôture. On va faire des recherches de clôture, comme ça on pourra avoir des bestioles qui craignent un peu plus. Voilà. Fais gaffe les agents, ça se paye. Je m'en fous, je suis riche. Il me reste 20 000 balles. On n'est pas trop mal. Franchement, on n'est pas trop mal. Tellement de choses à capter dans le jeu, faut prendre son temps. Après, ça va tout seul. Ouais, mais en fait, c'est pas très compliqué à prendre en main. Il faut juste... Ouais, faut juste y aller doucement, quoi. Une fois tes recherches faites, elles se valident pour tous tes parcs si tu supprimes pas ton premier parc. D'accord. Ok. Eh ben, c'est nice. C'est super nice. Alors, sauvegarder le zoo. Tout à fait. Sauvegarder et quitter Planète Zoo. Jetonc. Voilà. Eh ben, putain, ce jeu est trop bien. Ce jeu est trop bien, comment vous dire. On va y rejouer fort. On va y rejouer très très fort. Maintenant, le mardi... Ce sera Planète Zoo. Ah là là, il est chambé. Et ma connexion s'enfuit, ça y est. Ça veut dire que c'est le moment de quitter les enfants. Ah ouais, elle s'enfuit loin. Ouah, elle est partie. Reviens. C'est bon, t'es revenu? Tu veux bien? Tu veux bien rester, connexion? Merci. Bon. Oui, mais Outlast, ce sera le jeudi, calmez-vous. On peut échanger les animaux entre joueurs, mais faut aller vite. C'est vrai, on peut faire ça? Mais trop bien. Mais c'est trop bien. Bon, enfin bref. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, les enfants. Ah bah merci! Bon, merci, X-Files. Bah, bienvenue, écoute, y a pas de soucis, hein. C'est très gentil de ta part. Du coup, ouais, on va s'arrêter là. On se retrouve demain pour la chasse de Pokémon. Voilà. On va continuer Pokémon Let's Go. Et puis, voilà. Que en franchise, d'accord, ok, très bien. Et puis voilà, on se retrouve à 19h30, quelque chose comme ça. Voilà, vous avez l'info sur le Discord avant tout le monde, et puis vous aurez l'info sur Instagram quand
quand le live démarre. Hop. Voilà. Si vous voulez, tout est là, hein. Tous les réseaux sont là, n'hésitez pas. Et puis voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément d'avoir été là ce soir. Et puis on se voit demain. Voilà. Bon bye tout le monde.